Je pense pas que j'ai besoin du clavier. Re bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. On va se faire un jeu dont j'avais essayé la démo, j'ai fini par acheter la version complète, qui est un jeu d'énigmes posé calme. J'en ai besoin maintenant parce que je suis assez fatigué, il faut que je le reconnaisse. J'ai moins d'énergie que les autres week-ends, ça arrive. On va pas toujours être au top de sa forme, mais voilà, je redémarre l'après-midi doucement. Je viens d'essuyer des orages chez moi, c'est pour ça que je redémarre plus tard. Je vais pas prendre de risques. Donc on va faire, je pense, pendant 1 heure le jeu là, et puis après on enchaînera sur autre chose. Je sais pas, on verra. J'improviserai. Mais tranquille, peinard. Alors voilà, clac, clac, clac. Normalement c'est bon. Nouvelle partie. Alors, quelque part sur les quais, dans une petite chambre. Un peu de lecture. Un matin, je me suis réveillé et je vis une note mystérieuse sur mon bureau. D'abord, je fus surpris. Puis, je me suis rendu compte que quelqu'un avait dû rentrer chez moi par effraction. Absolument catastrophé, je décidai de vérifier ce qui manquait. Curieusement, rien n'était différent de la nuit précédente, excepté cette note suspecte. Celui qui a fait irruption chez moi n'était manifestement pas intéressé par mes affaires, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de leur état. Néanmoins, il avait laissé une note, aussi quelque chose avait dû se passer. J'ai lu le court message. Celui-ci m'avisait de me diriger vers une adresse située près des quais. Mes soupçons ne s'atténuèrent pas, même après avoir lu que le message impliquait mon cher oncle. Au contraire, je devins même plus inquiet à la pensée de ce riche et énigmatique membre de la famille. Même s'il était mon seul proche parent, nous n'avions pas été en contact depuis longtemps et n'avions jamais eu de bonnes relations. Il ressemblait à un homme d'affaires distant, qui était complètement désintéressé par les problèmes des gens ordinaires. Après que mes parents soient décédés, il n'avait jamais semblé vouloir m'aider. Que voulait-il de moi maintenant? Après mûre réflexion, j'ai décidé d'y aller, pensant que je n'avais rien à perdre. Je savais maintenant que je pourrais vraiment profiter de l'aide d'un riche oncle. Commençons l'aventure. Un pas de plus vers la table, s'il vous plaît. Cliquez sur la table pour aller là-bas. Il fait sombre. Vous devez avancer la lampe pour voir ce qu'il y a sur la table. Faites glisser la lampe avec le bouton gauche de la souris. Regardez la lampe à huile. Cliquez sur les objets pour les regarder de plus près. Augmentez la lumière. Cliquez et faites tourner la manivelle sur la lampe. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ah. Et moi, pendant ce temps-là. Ah. Vous pouvez effectuer un zoom arrière. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour effectuer un zoom arrière. En gros, il faut penser à une désélection. Maintenant qu'il fait plus clair, jetez un œil à l'enveloppe. Cliquez sur tous les objets pour les regarder. Eh ben non, je regarde la boîte d'abord. Il est scellé. Comment pourriez-vous l'ouvrir? Bah avec un coupe-papier, hein, gros nigaud. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez ramasser certains objets. Ils sont stockés dans votre inventaire sur le côté gauche de l'écran. Cliquez sur la boîte en bois. Vous pouvez voir les objets dans votre inventaire. Cliquez sur l'icône de la boîte en bois. Vous pouvez faire pivoter des objets. Cliquez sur la boîte en bois et la faire glisser la souris pour faire pivoter. Oui, il y a eu un peu des traductions à l'arrache. Mais bon, l'essentiel y est, c'est correct. Parce qu'à la base, le jeu est anglais. Alors, je peux interagir avec les objets. Cliquez et faites glisser la partie supérieure de la boîte en bois pour l'ouvrir. Ah mon Dieu! Retirez les deux parties du couteau de la boîte en bois. Cliquez sur les parties du couteau. Vous pouvez combiner des objets. Cliquez sur une partie du couteau et faites-le glisser sur l'autre partie du couteau au milieu de l'écran. Là, j'ai les manches. J'ai les jolies manches du couteau.
Ah oui, et là j'ai la lame. Lame d'un petit couteau. Eh bien, c'est original. Alors voilà, il faut que je fusionne les deux, c'est ça? Ah, comme ça? D'accord, comme ça que ça marche. Fermez l'inventaire. Appuyez sur le bouton de retour ou le bouton droit de la souris pour fermer l'inventaire. Examinez de nouveau l'enveloppe. Appuyez sur le bouton gauche de la souris de l'enveloppe. Faites glisser le couteau sur l'enveloppe. Prenez la lettre. Faites glisser la lettre de l'enveloppe. Lisez la lettre qui se trouve dans votre inventaire. Cliquez sur l'icône de lettres. Une lettre de mon grand-oncle Edouard. Les textes plus longs peuvent être lus dans une vue séparée aussi bien. Cliquez sur l'icône du livre en bas. Mon cher. Heureusement, c'est traduit en français. Mon cher. J'espère que vous allez bien. Lorsque vous recevrez cette lettre, je serai vraisemblablement mort. Étant donné que vous êtes le seul membre de ma famille encore en vie, il serait donc normal que ce soit vous qui receviez mon héritage. En dépit de nos divergences passées, j'ai décidé de vous donner une dernière chance. Venez chez moi et tentez de résoudre les énigmes que vous trouverez. Si vous réussissez, je m'engage à ce que tous mes biens vous appartiennent. Si vous échouez, tous mes avoirs iront à une organisation, entre parenthèses, du crime, non, dont je ne souhaite pas donner le nom. Partez immédiatement et terminez les énigmes avant la fin de la semaine qui suit la réception de cette lettre. Oh la vache, il y a même un impératif temporel. Je vous conseille de vous dépêcher, à moins que vous ne soyez pas intéressé. Dans ce cas, voyez ceci comme les dernières divagations d'un vieil homme. Je vous souhaite bonne chance. Votre oncle attentionné, Edward. Bonjour Christella. Alors, oui, bisous tout plein. Merci. Pas complètement remis, figure-toi. Alors, j'ai bien dormi, merci. Mais je sens encore un peu mes jambes. Je sens que ça a travaillé. J'ai pas d'ampoule, mais je me suis écorché vif au niveau de la cheville droite. Mais rien de grave, hein. C'est de la bobologie. Mais voilà, je me suis un peu esquinté. Et si je traîne de la fatigue. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pas un jeu nerveux en ce début d'après-midi. Je fais un jeu d'énigmes calme, posé. Voilà, en plus je viens d'essuyer un orage, il y a eu de la flotte, un orage sur Nancy durant la pause déjeuner. Ça tombait plutôt bien. Et voilà, tranquillou, relax. J'ai un tout petit peu hors antenne joué un quart d'heure à Minecraft, le temps de faire un peu de pêche tout à l'heure. J'ai croisé Nash qui me disait je filais en course vie réelle. Donc j'ai eu le plaisir de le saluer. À part ça, j'espère que tu vas bien, Christella. Merci à toi de me rendre visite. Hop, continuez. Oh là 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 là! Ce récit. La cave. Quand je descendis de la carriole, je découvris que ce n'était pas le même manoir que celui dont je me rappelais dans mon enfance. Il semblerait que j'ai largement sous-estimé la fortune du vieil homme et qu'il n'avait plus qu'une demeure luxueuse à son nom. Pendant que j'étais perdu dans mes pensées, le véhicule était rapidement reparti. Comme il n'y avait personne pour m'accueillir, je décidai d'avancer vers le portail largement ouvert. Je suis arrivé devant l'entrée et j'ai frappé à la porte à plusieurs reprises. Cela ne servit à rien. Ben, je pensais qu'il fallait pas se gêner, comme si nous étions une famille heureuse et soudée. Aussi, j'appuyais sur la poignée avant de réaliser que la porte était fermée à clé. Comme c'est surprenant! Récemment, quelqu'un a débarqué chez moi pour me laisser un message qui m'a conduit ici dans un manoir abandonné, qui est, bien évidemment, fermé. Je me sentis terriblement frustré et j'ai pesté en moi-même que si mon cher oncle, probablement mort, et moi-même se rencontrions plus tard, il ne serait même pas capable de faire des excuses. Cependant, j'avais besoin de trouver une solution, car il faisait de plus en plus sombre et il avait commencé à pleuvoir pendant que j'étais devant la grande maison, sans moyen d'entrer. J'ai pensé qu'un bâtiment de cette taille devait avoir une autre entrée. Aussi, je fis le tour. Pour trouver seulement la porte d'accès à la cave qui était entrouverte.
Au moment où je commençais à réfléchir pour savoir si je devais entrer ou non, le bruit assourdissant de la foudre m'a convaincu que c'était mieux d'entrer. Oh mon Dieu! Le jeu commence. Ça va très bien aussi. C'est un jeu d'énigmes ou d'enquête? Plus énigmes que enquête. C'est un jeu. Alors j'avais fait la démo, ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai fait la démo et j'ai tellement été séduit que j'ai acheté la version complète, là, que je recommence. Enfin, que je commence. Je le mets dans la catégorie jeu d'énigmes. The Room, Da Vinci, je sais plus quoi, là. Voilà, dans cette catégorie-là. Un peu aussi, de manière plus large, un peu comme un Myst. Myst Riven, là, je sais plus. C'est. J'aime bien les murs en briques rouges. Alors. Je crois qu'il y a un truc à faire avec la lumière, non? Ah bah là, il y a un interrupteur. Ah, j'ai allumé ou j'ai éteint? Attends, j'ai pas compris là. Ok, ça commence. Eh non, mais on voit rien. Mais non, mais on voit rien, mais attendez. Attendez. Là, l'interrupteur est vers le bas. On voit rien non plus. Bon, ok, génial. Alors, je pense que la première énigme, c'est résoudre l'électricité. Enfin, rétablir. Comment, je sais pas. Est-ce que je peux prendre l'objet avec moi? S'il n'y avait pas ces bougies, j'y verrais à rien. Comme c'est pratique. Ont-elles été laissées pour moi? Écoute, je sais pas, mais si je pouvais embarquer une bougie momentanément, ça m'aiderait bien. Ah! Ah! 725. 725, ok. 725. Là, je vois quelque chose. Le sous-sol est dans le noir complet. Je dois trouver comment mettre la lumière. C'est malin, ça. Attends, il y a un truc là. Ah, il y a une clé. Verrouillé, j'ai besoin d'une clé. Oui, les mists, Siberia, ouais. Alors, le pire, Siberia, je l'ai. Funfan pense le faire bientôt. Et je serais tenté de me le faire moi dans mon coin hors antenne, mais je mettrai les épisodes sur YouTube avant qu'il le fasse, que je puisse le guider. Il paraît que les deux premiers Siberia sont bien et que le troisième est nul. Attends, il n'y a pas un truc caché dans les pots? Quelques pots de fleurs et un râteau. Tout ce qu'on peut s'attendre à trouver dans un endroit comme celui-ci. Ok. Là, il y a une bouteille. Oh, j'ai gagné une bouteille. Je savais que mon oncle avait une belle collection de vins, mais je ne pensais pas qu'il avait également une collection de confitures. Ah. Oh, un vin rouge, 1911. Oh mon Dieu. Cette bouteille. Ah, oh, ce goulot. Et ce bouchon. C'est de Tiboraseza. Oh mon Dieu. Sauvignon, oui, monsieur. Attendez, attendez. Je peux interagir avec ça? Alors, le sous-sol est dans le bloc complet. Oui. La lumière d'abord, la lumière d'abord. Oh, il doit y avoir un panneau électrique pas loin. À quoi est relié ce truc? Attendez. Ah, il y a un truc qui m'a éch... Je suis sûr qu'il y a un truc qui m'a échappé à l'entrée. On est d'accord, je peux pas revenir au début. Il y a une pluie battante dehors et la carriole est partie depuis longtemps. Même si je ne suis pas intéressé par l'héritage, ce serait dommage d'abandonner. La bonne blague. Mais comment je peux faire mieux avec l'éclairage? L'interrupteur à la noix, il marche pas. Vous êtes marrant, vous. Ah, oh, bordelum. Je commence, je suis déjà archi nul. J'ai pas le droit de m'avancer. Ouais, il est interdit, il est bloqué. Il est bloqué, il est bloqué. Attends, qu'est-ce que je peux faire avec la bouteille? La briser contre le mur?
On dirait une clé sur l'étagère des pots de fleurs, sur l'étagère du milieu. Oh merde, t'as une bonne vue, moi je le vois même pas avec mon écran. Merci Christella. Je suis nul. Oh mon Dieu, une ancienne clé. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Merci, t'as le coup d'œil. Je vois rien avec mon écran. Je suis peut-être pas dans le bon mode d'éclairage. Alors attends, il y avait une serrure là. Oh! Magie du démon. J'ai pas tourné la clé. Je suis un nigaud. Ah! Oh! Ah, le code à la noix. Le code à la noix était 725. Allez, oh là, oula, oula, oula. Oula là. Bonjour, fan fan. 725. Ah. Ouch. Mais je croyais que ça allait se s'ouvrir. Ah. Quoi? C'est quoi ce truc? Hein? Alors, attends, pause. Il faut que je change la dalle graphique de mon téléviseur, le mode d'affichage, parce que je ne vois rien. Le contraste n'est pas bon pour moi. Si vous, visiblement, vous voyez bien, moi, je vois pas bien. Il faut que je change de mode. Ah, c'est vachement mieux. Oh là là, j'ai retrouvé la vue, c'est bon. D'accord, ok. Ah, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Ok. Oula, attends, le départ, il est là. Le départ, il est en bas à gauche. Oh la vache. Merdôme. Je fais des bêtises. Ok. Attends. Mais. Pourquoi je peux pas faire? J'ai pas le droit. Ah bah non, je suis con, c'est un plus. Il n'y a aucun intérêt à faire une rotation. Je suis un abruti. La 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 la. Ouais. Je vais faire en sorte que l'électricité passe partout. Ah non, il y a l'air d'avoir un autre jeu de d'arriver et de. Oui. J'essaye d'optimiser le schmilblick, hein. Excusez-moi du peu. Voilà. Faut que j'appuie sur un bouton ou ça va se faire tout seul? Ah, attends. J'ai plusieurs arrivées, visiblement. Non, non, attendez. Je suis un vil abruti là. Non, ce que je viens de faire est contre-productif. Ok. Bah oui, mais c'est débile. C'est débile au possible. C'est débile ou net. Oui, non, de toute façon, je peux pas faire mieux. Alors attends. C'est un bouton, c'est quoi?
Et là, j'éclate la bouteille sur le truc. Et là, je meurs. Électrocuté. Ah. Attends. Mais oui, qui est dans le leurre complet, d'accord, mais. Ah, attends voir! L'interrupteur, je sais plus où j'en étais. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Bah non, c'est toujours éteint. Oui, on est d'accord. Je vois mieux, hein. Oh la vache. C'était vraiment sombre, sombre, les ténèbres. Non, alors j'ai toujours pas compris le truc. J'ai toujours pas compris le truc. Mince! Ça y est, j'ai fait une bêtise. Attendez, il faut visiblement que tous les trucs soient en connexion. Clac, 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 clac. Ouais, ou comme ça, je sais pas. Je comprends pas, ça va s'allumer bingo? Attendez, je me penche sur mon écran parce que pour le coup, j'ai besoin de réflexion. Ah oui, d'accord. C'est pas forcément. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je pensais qu'il y avait un départ, une arrivée, mais c'est pas aussi simple que ça. Oui, merci pour le petit coucou. Bonjour, cousin Rio. J'espère que ça va bien. Bah pour une première énigme, je suis pas malin. Y a pas d'interrupteur? Alors attends, je vois deux trucs en haut, deux trucs à droite et un en bas. Ouais, mais ils sont tous interconnectés, non? Attendez, je suis en train de faire le parcours avec les yeux. Ah, il y a quelque chose que je piche pas. Ouais, ça va dans l'ensemble, merci cousin. J'ai encore un petit peu mal aux gambettes par rapport à ma promenade d'hier, qui s'est très bien passée. Un petit coup de mou, enfin un petit coup de mou. Je suis pas au top de ma forme, mais y a rien de grave, j'ai bien dormi. Peut-être le temps aussi, on a eu un orage à midi sur Nancy. Ça change. On respire. Fait du bien. J'ai même pas vérifié mon retour, je sais même pas si on voit bien ma tronche. Attendez. Hop là. Attends, c'est moi qui suis un abruti fini là ou quoi? Je comprends plus. Bah oui. Mais je pensais que j'avais vu juste. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? 5. Il y a un cadre en plus et il y a un 5. Cadre en plus. Oh, ça, je l'avais déjà lu.
Et ça, je peux pas l'ouvrir. Fermé à clé. Je vois même pas où est la serrure. Fermé à clé, ouais, bon. Oui, d'accord, mais. Ouais, j'avais déjà lu ça. Ah, je me sens débile, vous avez pas idée. C'est peut-être un truc tout con qui m'échappe. Non, je peux pas refermer le panneau, y a pas d'intérêt à le refermer là. Bonjour Edge, j'espère que tu vas bien. Excusez-moi. Je suis un idiot, il y a un truc qui m'échappe, qui est tout bête dans l'énigme. Si je clique là, j'ai un indice. Non, j'en viens au menu. Non, oui, d'accord, non, ça change rien. Y a pas un interrupteur? C'est trop bizarre. Merci. Merci, merci. Honneur au vôtre. Je repense à l'éternuement de Bastos hier soir. Ah. Attendez, je reprends. Si je reprends de là. Allez, on va dire que je reprends du haut. Je vois pas comment je peux optimiser le circuit. Mais non, c'est débile. C'est débile mon truc. Je vois pas comment je peux faire mieux. J'espère que le jeu est pas buggé quand même. Bah, c'est bizarre. Moi, je m'attends à appuyer sur l'interrupteur pour que ça fonctionne. Il y a un truc qui m'a échappé dans l'énigme, c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est le courant devrait déjà passer. J'arrive à joindre toutes les extrémités du tableau. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ou alors, il veut la perfection. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'avoir un truc dans le vide. Oui, mais attends, là, c'est impossible leur truc. Comme ça? Voilà, il fallait trouver la perfection. Ouais, ça va, Edge, merci. Oui, visiblement, le code que j'ai mis était le bon. Et la lumière fut. Ouais! Et là, 50 nouvelles énigmes. Alors. Ah! Ça, c'est pour le coffre du bas. Ah, mon Dieu! Observons la petite clé poussiéreuse d'abord. C'est bizarre. Elle est bicolore. Elle est faite de cuivre et de zinc, je sais pas. Ouvrons le coffre des mystères. Oui, mais la clé. Ah, attends, 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 attends. Attends, c'est quoi c'est. Ah ouais, c'est pas une serrure classique. Attends, le câble court sur le panneau. Oh bordel. Ah, il faut récolter des pois, il faut les mettre au niveau des encoches. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant que j'ai gagné une clé. Ah, Bob Morlock. Bonjour Bob, je pense que tu vas bien. Enfin, re, on s'est vu chez Aero tout à l'heure. On va y aller dans l'ordre, et ça, c'est un pois. Un petit sac de maïs. À merveille, il y a des maïs.
Je vais pouvoir faire des pop-corns si m'étonnerait vu le côté rustique de l'endroit qui a un micro-ondes. Hein. On est au début de l'an 1900. C'est quoi ce truc? Quelque chose d'étrange. Je voudrais examiner de plus près, mais je peux pas utiliser l'échelle. Ah oui, il y a un petit souci de barreau. C'est quoi ça? C'est une meule? Ah ouais, c'est une meule. Ah, quand il y a un point d'interrogation, j'ai droit à un indice. Moi, j'en suis pas là et je découvre, c'est le début, arrêtez. Vous n'allez pas me donner la réponse maintenant. C'est quoi déjà la formule d'Agatha Christie avec Hercule Poirot? Faisons fonctionner nos petites cellules grises. C'est oh, c'est ça en plus. Ah, oh, c'est le genre de jeu, il va falloir que je prenne des notes. Il va falloir que je prenne des notes, sinon je vais être dans la mouise. Bon, c'est le premier épisode. Est-ce que je peux découvrir des... Ok! Des cisailles, mais les lames sont émoussées. Oui, la violence. Ce jeu va être violent. Je peux pas retirer le drap. Ok. Bah, si c'est émoussé, on va utiliser la meule. Ah. Il n'y avait pas assez de budget. Enfin, c'est vrai que c'est pas indispensable. Mais il n'y avait pas assez de budget pour l'animation de la meule. Mais c'est bon. Une paire de ciseaux avec des lames aiguisées. Je vais être chié, mais je vois aucune différence. C'est une production petit budget. Eh, ces genres de chefs-d'œuvre, sans déconner, c'est peut-être fait par une seule et même personne. Il faudra que je revoie le générique. Le pire, c'est que j'ai lancé direct sur le générique. J'ai pas fait gaffe. On continue! Oh l'armoire. Oh c'est l'armoire de Narnia. On va rentrer dedans, on va jamais en sortir. Un autre monde s'ouvre à nous. Bah, pourquoi je peux pas tourner la serrure? Ah, merci. Enfin la clé. Ah! Oh! Oh, les porcelaines sont jolies. Je peux pas zoomer, mais les porcelaines me plaisent. C'est quoi ça? Y a rien à prendre? Ah, il y a un sac. Alors, après le maïs, c'est du riz. Ok. C'est le sac à Bernard Kouchner. Ceux de ma génération comprendront. Moqué par les guignols de l'info. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Oh la vache. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? Ah, un barreau de bois, c'est pour l'échelle. D'accord. Ok. C'est assez instinctif, hein. Jouer à la souris, c'est agréable. Bon, là, c'est un code. Ok. Oh la vache. Ah oui, il y a des combinaisons avec les petits sacs. D'accord. Bon, je reverrai ça plus tard. Putain, c'est vachement bien fait. Je crois que... Attends, je... Oh, il y a le tonneau qui est gravé. Je vais trop vite. Je crois que je passe à côté de plusieurs trucs. C'est quoi ça? Hein? Quoi? Apparemment, je peux rien faire pour le moment. Ou alors, j'ai pas compris le principe du jeu. Il y a une manière de faire, peut-être, non? Attends, c'est trop bizarre le truc. Bon, j'en reverrai plus tard. On continue notre tour de... C'est quoi ça? You will need for more bottles. Ah, il faut 4 bouteilles. Ah, donc la bouteille, je l'ai. Ah, attends, il y a des années. 1911. Faut que je la range là alors. 12, 13, 14, 15, 16. Ah non. J'ai rangé une bouteille sur 4. Il y en a une là, une là, une là. Ah non, il en manque là et là. Étrange. Ok. C'est original. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, je m'en souviens pas du tout.
Ces barres devraient monter ou descendre, mais elles sont coincées. Ces barres devraient monter ou descendre, mais elles sont coincées. Coincées comment? C'est bizarre, on dirait qu'il y a une sorte de scintillement, comme s'il y avait une tension dans le dispositif. Comment ça marche? J'interagis comment, moi? Oui, mais je comprends pas. Mais arrête de me dire à chaque fois le même truc. Comment ça se joue? Ces barres devraient monter ou descendre, mais elles sont coincées. Oh! Attends, je peux ramasser ça? Ah non, c'est le bordel au sol, d'accord. Il y a un truc qui a été. Il y a un truc qui a été renversé. Oula, oula, oula. Il n'y a rien au-dessus de moi là. Non, il n'y a rien. C'est le genre de jeu, faut se méfier. Faut bien faire le 360 degrés parce que c'est. Oui, tu te souviens de la parodie des Guignols? Bah, c'est bien, ça te parle, FunFan. Bien. Il n'y a jamais eu de trafic d'organes au Kosovo. Sacré Bernard. Ouais. Ouais. Là, sans déconner, j'ai pas compris. Alors déjà le coup de la bouteille à l'angle, j'ai pas compris, mais j'arrive au moins à interagir un peu. Là, j'interagis pas du tout. Je sais pas ce qu'il faut faire. Gauche-droite, clic, déclic, haut, bas, je comprends pas. Bon, on continue le tour de la pièce. Il pleut encore, ok. Ah! Ah, c'est le cadeau, ça. J'ai besoin de ce sac. Hop, cisaille. Je dois aller plus près. Ah, pardon. Hop, cisaille. Bah merde. Je peux pas bouger la corde, je dois la couper d'une façon ou d'une autre. Oui, bah alors. De l'intérêt de bien coulisser les objets dans les bonnes zones. Mais quel est ce sac mystérieux? Un petit sac de sciure de bois. Ah, oh, joie. Allez, 3, 5, 3 sacs sur 5. Oh, c'est quoi ça? C'est. Ah, c'est le. Ah, oh. On le fera après. Ça, c'est une énigme qui est à notre portée. Cela ressemble à un chevalet, mon oncle peignait plutôt des portraits, en particulier d'une personne. Lui-même, ouais, il était mégalo, c'est ça? Il pleut encore, oui, merci. Nous vous devons plus que la lumière. Le mec, il meurt comme un caca. C'est quoi ça? Oh, c'est comme à sonder, comme si on ouvrait avec un stéthoscope, vous savez, les cliquetis d'un coffre-fort. Ça sonde tout bêtement. C'est cucul la praline, mais c'est gentil. Au moins pour les plus faibles, on va dire. Ça donne l'illusion qu'on peut progresser. Ça parle mal. Mais hé, va pas te bloquer, abruti. Mais il s'est bloqué, ce con. Mais je peux plus bouger. Mais non. Mais il s'est bloqué, ce con. Mais merde. Mais je peux plus bouger. Il est bugué. J'étais sur le truc, mais je suis allé au-delà. On y reviendra. Ah oui, un sentiment. C'est bien. Un tuyau qui fuit. Quand j'arrêterai de la maison, j'appellerai un réparateur. Ouais. Ouais, je vois pas ce que je peux faire de plus. On dirait qu'il y a des. Non, c'est l'électricité qui court en fait. Le mec, il est pas barge. Il a construit sa maison, il fait courir l'électricité à côté du tuyau d'eau. Bref. Oh, il a l'air d'avoir de beaux tapis. Quelques vieux tapis et une armoire à vêtements dissimulée, rien en particulier à voir. Ok. Ok. Il est où le cinquième et dernier sac? Ah bah je l'ai trouvé là. Je viens de cliquer dans le trou dans le mur.
Un petit sac de pois. D'accord. Alors, je vais essayer dans la balance de mettre les bons trucs dans le bon ordre. Ça, c'est un sac de quoi? De lentilles. D'accord, ok. Un truc facile. Oui, un truc glissé. J'ai glissé, chef. Ah. Alors, attendez, ça devient intéressant. Lui, il était bien lourd. Un point. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il va en dernier, il va là-bas. On est d'accord. Le vert. Non, il va au milieu, le vert. C'est sympa. Ça démarre gentillet. Oups. Oups, oups, oups. Ça a déverrouillé ça. C'était relié au coffre. Drôle de serrure. Oh. Ah. Oh. Oh. Il y a des combinaisons. Oh mon Dieu. C'est quoi? Une plaque en bois avec des symboles. Ah. Mathématiques. Ouais, un barreau de l'échelle. Bah d'ailleurs, je vais les monter les barreaux d'échelle parce que là, je sens que j'ai accumulé un peu trop. Cela doit s'ouvrir quelque part. Je sais même pas sur quoi j'ai cliqué. Ah, il commence par le bas. Vous me direz, c'est logique. Et là, la petite barre en bois qui va dans le. Le mec, il invente une échelle d'un nouveau genre. Il y a rien d'autre dans le trou dans le mur? Non, il y a rien d'autre. Oui, il y avait ça qui était à portée. Ça, c'était à portée. Alors, je vais prendre un crayon à papier. Attendez. Attendez, attendez. Faut que je m'équipe là parce que le truc, il est. J'ai un marqueur. J'ai un marqueur. Est-ce que j'ai plus d'un papier que je peux sacrifier, je pense. Merde, je vais tomber mon téléphone. Ce n'est pas grave. Voilà. Hop. Ah! Les papiers du boulot. Alors, je fais mon petit dessin. On va jouer au Pictionary. Je rigole, mais faudra qu'on se refasse sur mon antenne le Gartic Show. C'était rigolo. Un premier indice. Et je vais faire mon Le Perse. Un indice va s'afficher en bas de votre écran. Voilà. Je garde le marqueur en main. Parce que il y avait un truc qui était pas loin. Il y a. Oui, alors attendez, il y avait ça. Ah, un 5. Où était l'autre? Je sais plus. Où est-ce que j'avais vu une. Il y avait un indice ailleurs, mais. Ah, c'était sur le mur? Oui, c'était sur le mur. 2. Intéressant. Oui, ça me plaît. 5 à la suite, ouais, c'est ça? Oui. Oh, ah non, c'est une fenêtre de pluie, ça. Ah, il y a la bouteille qui me bouffe, là. La bouteille à langue, il va falloir que je me la coltine. J'espère, je crois que c'est la chaudière, là, qu'on amène. Mais, hey, je crois que j'ai fait bugger le jeu, sans déconner. Attendez, voilà. Je serais tenté de sauvegarder et de revenir. Sauvegarder et quitter. Attendez, je vais relancer le. Hop, hop, la cave. Oui, on a déjà lu. Chargement, continuer. Je vais juste voir. Attendez. Ok. J'espère que je vais débloquer le bug. C'est là où il faut que je recommence le jeu depuis le début. Ça veut pas, hein.
Merde, j'ai fait bugger le jeu. Merde. Ah ouais non, mais c'est ouvert. Je suis un abruti. Hein? Alors j'ai gagné un barreau d'échelle et... Mais attends, mais je vois rien. Ah, c'est un 5 en bas. Oh, faut avoir le coup d'œil. Eh, franchement, celui du milieu, on va le deviner. Hein. On va le deviner. Ah bah, il n'y a même pas à deviner. Alors. Tic, 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 tic. Et deux. Merde. Ah oui! C'est merveilleux. Ah! Et là, j'ai envie de chanter. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Tic, pouc! Y a des blancs, y a des russes, des saucissons. Tic, pouc! Petit gilou qui joue de l'accordéon. Oh, du vin blanc. Génial, je ne le digère pas. C'est vrai, je ne digère pas le vin blanc. Chardonnay. 1902. Alors, 1902, 1902. Ah, je savais pas que c'était même pas dans l'ordre, les. Oh putain. Ah, attends. Oh la vache, salopard. Je peux reprendre mon ancienne bouteille. J'ai pas la bonne réponse. Merde. Ah, les salopards. J'avais même pas vu que c'était pas dans l'ordre. Il y a une logique, mais c'est pas dans l'ordre. Les salopards. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. 1902, 1911. Merde. Attendez, je gamberge. Je gamberge. 1800... 1889. Oh vache. Enfin, tu me diras, là, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Bon, je me sépare des bouteilles en attendant, je les reprendrai plus tard. Quitte à cliquer comme un fou furieux. Ah là là. Tiens, en parlant de bouteilles. Ça, j'ai pas compris. C'est un jeu de réflexe? C'est quoi? Ah, je peux aller dans l'autre sens. Ah, il y a un ordre. Ah merde, il y a un ordre. Je vais noter. Alors, dessinons la bouteille. Nous avons 6 trucs. Tac, 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 tac. J'ai fait en premier, j'ai fait troisième en partant du haut, puis le cinquième en partant du haut. Voilà, j'en arrive à faire ça. Tu n'es qu'à la cave, j'imagine le reste de la maison. Ouais, mais c'est intéressant, c'est bien foutu. Bah, il prépare le deuxième opus. Le deuxième opus, c'est une île étrange. Alors que là, je suis dans, je sais plus quoi, une pièce étrange ou une baraque étrange. Pardon, j'ai fait tomber. J'ai fait tomber ma prise de notes. Alors, attendez, je vous lis. Blanc et saucisson, chanson qui s'accompagne. Oui, c'est licence 5, licence 5. Chanson qui s'accompagne d'ailleurs d'une grillade oppressive. Sandrine Rousseau vient me déconstruire. Moi et mon humour patriarcal, sérieux, elle fait honte à votre pays, cette meuf. Ça parle mal. Oh, écoute, il faut tout pour faire un monde, hein, Bob. Ah là là. Allez, moi j'ai que la suivante, c'est celle du haut. Yépédu. Bon, bah là, il faut y aller à tâtons. Ah merde, il y a un sens. Et... Oh merde, il y a un sens! Oh la vache!
Donc du coup, je perfectionne mon dessin. J'ai une question capitale adressée à Bob Morlock, nous dit Funfan. Alors que j'essaye de prendre de la bouteille. Je l'ai dans le baba. On va être méthodique. On va être méthodique. C'est pas celui du haut. C'est pas celui du haut. C'est pas celui-là non plus. Non. Ah! J'ai trouvé le troisième. On progresse. On progresse, on progresse. Merde, je suis en train de me couper la lampe de la tronche. Vous me verrez plus. De 4, je suis en bas. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Non. Salopard. Non, c'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Donc c'est celui du bas. C'est celui du bas, mais ce serait dans l'autre sens. Bingo. Chez toi, on dit pain au chocolat ou des chocolatines. Oh, autre chose. Oh mon Dieu. D'ailleurs, il m'est passé sous le pif cette semaine un article où justement il paraît que les scientifiques ou je sais pas quoi auraient tranché. Alors, des experts linguistes ou je sais pas quoi. Alors. Oh le bol! Oh le bol! Allez, moi je dis que c'est dans l'autre sens. Merde! Ça veut dire que le sixième, c'était dans le sens, forcément. Nous allons exécuter la bonne combinaison finale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette bouteille est à moi! Un vin rouge de 1918. Oh la sortie de la guerre, oh mon Dieu. Merde, je dois aller plus près. Hop là. Ils avaient dit 4 bouteilles, donc j'en ai 3 des bouteilles. Il m'en faut 4. À mag. Laissez. Il n'y avait pas. Non, c'est un reflet. J'ai cru qu'il y avait un truc sous le meuble. Attendez que je cogite à nouveau. Oui, j'ai un barreau. Tiens, je vais rajouter un barreau à l'échelle. Hop là. Il n'y a rien. Il n'y a rien que je puisse prendre. Non, 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 non. Oh merde! Ah oui, merde, à moins que je doive casser quelque chose avec, je ne veux pas le transporter. Oui, bon, on verra plus tard. Mais... Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait un barreau. Ah bah, comme ça. Alors là, je gamberge parce que je sais plus où j'en suis, ce que je dois faire. Le meuble là, il n'y a rien à faire dans le meuble là? Non, il n'y a rien à faire. Là, il y avait un code. Oh mon Dieu, il se passe un truc.
Oh, t'es adorable. Bonjour et re-bonjour, Mélissa Japon. Ah bah j'espère que ta partie s'est bien passée. Merci, bienvenue à tes 7 spectateurs. Merci tout plein, Mélissa. Bah tu vois, je suis sur un jeu posé, calme, d'énigmes. Je démarre mon après-midi peinard pépouze. Merci tout plein, c'est adorable. Alors, FunFan nous dit, bizarrement, je trouve ça plus joli chocolatine que pain au chocolat. Ah. Message de FunFan 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Melissa Japon. Vieux lapin, bonjour et bienvenue. Ah là là. Ah. Le plaisir d'être avec les copains le week-end. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, merci pour l'acte de fidélité. Oula, c'est si spontané. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Il faut que je prenne encore des notes et des infos. Parce qu'il y a. Les sacs aussi avaient des symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ou 0. Ah, 0, 1, 2. 1 et 3. Si le symbole là c'est 3, 2, 1, Merci tout 0. plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Pain au chocolat pour moi c'est une fusion d'un pain et d'un chocolat alors que chocolatine ça fait plus original. Moi je suis tellement habitué à dire pain au chocolat moi que. Alors attendez, je suis en train de gamberger, de réfléchir. Ça veut dire que. Alors attendez. Les symboles. Je vais faire déjà de 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merde, j'avais déjà le 0. Alors attendez. Le 2, c'est l'espèce de. Voilà, de portail, on va dire. Le 3, c'est l'espèce de cible. Ouais, ok. 5, 6. Le 6, c'est l'espèce de égal barré. Le 8, c'est le double carré. Et le 9, ce serait l'espèce d'autre carré plus léger. D'accord. Donc pour le moment, moi, j'obtiens ça. Dans mon truc de réflexion. Ah, il me donne le 1. Suis-je bête? Il me donne le 1 qui est assez vicieux et qui est comme ça. Donc je complète. J'obtiens ça. Il me manque le 0, le 4, le 5, le 7. Et voilà, j'ai déjà plus de la moitié, j'en ai 6 sur 10. Ok, on continue. Pour le moment, je suis pas en grande difficulté là. Je peux encore cogiter. Il y avait l'énigme en haut de ça. Ouais, je peux pas m'approcher. Ouais. Tant que j'ai pas tous les barons, je peux pas m'approcher. Je suis dans la réflexion. J'ai rien oublié là-dedans. Mais en dehors d'être un indice, la plaque de bois, je dois sûrement faire quelque chose de la plaque de bois en elle-même. Mais pourquoi faire? Attendez. Oula, il y a un avion qui passe près de chez moi, il fait un boucan d'enfer. Je sais pas si vous l'entendez. Non mais ça c'est bon. Ça, le coin là, c'est les énigmes normalement résolues.
Ah oui, là j'avais un plus. Oula. Oula, attends, parce que les autres symboles, je les ai pas, justement. C'est des symboles que je n'ai pas. Où est-ce que je peux avoir la réponse? Non, ça peut pas être ailleurs. Admettons que ça, ce soit le zéro. Il y a un ordre logique? Non. Ça correspond à 3. Ça. Non, ça correspond à rien. Ça correspond à 1. Ça, c'est peut-être le 8 et encore, je suis pas sûr. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 6. Eh, c'est là où ils vont nous faire, vous savez, pas un système décimal, c'est-à-dire à 10, mais une base 16, hexadécimale. Ça va me rendre fou. Et ça, alors ça, je comprends pas. Comment je fais pour interagir avec ça? Ce truc-là me rend fou. Parce qu'il est tout sauf instinctif. Non, je peux pas faire coulisser ça là-dedans. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Ah oui, quand mon curseur, je suis en train de regarder mon curseur. Quand le curseur devient bleu, je peux interagir. Oui, non, mais je l'avais déjà là. Attends, je vais la remettre en place. De toute façon, il me manque une bouteille alors. Hein. Vide, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Johnny. Au-dessus, y a rien au-dessus de l'armoire. J'ai peur de louper les objets. Déjà, il y a Christella qui m'a aidé à avoir la clé parce que je la voyais absolument pas. Non, il n'y a rien d'autre. J'ai bien fait de changer le mode graphique de mon écran. Attendez, il faut que je vous dise dans le chat si vous dites des trucs parce que je suis complètement absorbé par le par les énigmes. Je repose ma prise de notes. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Alors là, le truc là, je ne le comprends pas. Il faut que j'arrive avec un instrument pour le inaugurer le Schmilblick là ou quoi? Je comprends pas. Y a rien au plafond là, je crois l'avoir déjà fait. J'ai pas d'indice ailleurs. Là, il n'y avait rien de particulier. Ah, et oh, c'est... Ah oui, j'allais dire, c'est pas un barreau en bois, ça. Ah, la bonne blague, la bonne blague. Il y a des manches, j'ai l'impression que c'est des trucs au plafond, mais non. Ça, on est d'accord, c'est encore une fenêtre, la pluie. Oui, c'est ça. Le râteau me servira à rien. Non.
Attends. Ça, je peux plus rien faire, on est d'accord. Il n'y a rien de d'évident, j'avais déjà pris. Merdoum. Et ça. Où pourrais-je en avoir la combinaison? Oh! Que je suis bête! Les sacs de riz! Enfin, les sacs! Mais oui! Mais quel abruti! Alors, nous avons. Si je pars de 0, ça fait 8. 3, 2, 7 et 5, c'est ça? Non, et si... Attends, non, non, attends, 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 attends. Je démarre avec le 0. Non, oula, 4. Non, c'est 8, 4, 2, 7. Non. Attendez, je sais plus. Oh merde. Attendez, pause. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 pour le bleu. Donc complètement marron sur le côté droit, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, attendez. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus compter. Non, je me suis fourvoyé. C'est un 5. Oh merde. Attendez, attendez, attendez. Il faut que je corrige ma copie, moi. Le jaune, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc un 7. Ah! Et le sac rouge serait un 8. Le 8, en fait, c'est ça. Ah! Alors, sacré zigouigouigouigoui, mais ça change. Je suis pas malin. Donc, j'aurai 8. 8, 3, 2. 8, 3, 2, 7 et 5. 8, 3, 2, 7 et 5 en fait, la combinaison. Mais c'est bizarre, les signes ne correspondaient pas. Le 8, il me faut le carré avec le... J'arrive pas à savoir si... Non, ça c'est le 1. C'est ça, c'est le 3. Le 3, c'est le... Le signe de sniper là en cercle. Oui, c'est ça. Ensuite, le 2, c'est l'espèce de portique. L'espèce de balise de slalom là à percuter. Voilà, c'est ça. Ensuite, le 7, ce serait le double carré mais sans rebord. Non, ça c'est le 1. Ça. Et le 5, ce serait le égal barré. Non. Oui. Bonjour le point. Non? Attendez, je comprends pas. Bah merde, apparemment c'est pas ça. Merdoum.
Je réfléchis. Hein, j'essaie de voir si j'aurais commis une erreur. Attendez, je vais mettre déjà le barreau à l'échelle. Je vais mettre le barreau à l'échelle. Mais Zavazoumé, Marseille. Le 3, c'est ça. Le 1, c'est ça. Et l'autre truc disait quoi là dans le... Faut peut-être que je me le note. Donc le 1, le zigouigoui plus l'autre zigouigoui est égal à l'autre zigouigoui, espèce de dièse là. Alors, ça plus le machin clac-clac, c'est égal à l'espèce de dièse. Ok, voilà, pour vous montrer les gribouillis. 1 plus je sais pas quoi est égal à je sais pas quoi d'autre. Il me manque le 0, il me manque le 4, il me manque le 9, il me manque le 6 d'ailleurs. Attends, ça voudrait dire que j'aurais faux dans l'algorithme? Ah oui, c'est subtil. Dans le dessin, c'est subtil le carré. 3, 4, 5, 6, 7. Le 7, en fait, c'est le truc avec les trucs très légers. Oh là là. Je regrette presque d'avoir pris un marqueur là, parce que... Donc ça, ce serait le 7. Ce qui voudrait dire que si c'est le 7... Pardon, je vais pas tarder à vous relire dans le chat, mais là je suis concentré dans mon truc. Ce serait... Ah, je suis perturbé. D'accord. Ouais, le 7, ce serait bien ça. Donc, le 3... Non. Non, le 8, ce serait ça. Le 8. Avec un losange. Le 8 serait avec le losange. Ah, je peux pas récupérer les sacs. Attendez. C'est limite si j'aurais pas collé mon pif à l'écran. Attends. Je vais coller mon pif à l'écran. Attendez. Le trait est tellement fin que je suis sûr de rien. Ça se lirait à l'envers. Attendez. Si je m'étais planté de sens et que ça se lit à l'envers, le 0 serait en bas et pas en haut. J'obtiens quoi?
Attends. Le bâton disait que le 1. J'aurais 1, mais si ça c'est le 1, le 3. Mais ça va pas, ça se tient pas. Ça se tient pas puisque le 3 je l'ai là. Mais non, c'est pas logique. C'est ma référence, le sac mauve. Avec la cible. Ça veut dire que c'est 3. Ça peut pas être 7 ou 8 si j'alterne en fonction que je mets le 0 en bas. Ou en haut de 1 à 9. C'est bizarre parce que le sac rouge, j'ai l'impression que c'est 1. Supposons que ce soit une vérité. Supposons que là, si les signes coïncident, on a le 1 et le 3 là. On a le 1 et on a le 3 là. Ça voudrait dire qu'il faut lire alternativement en haut puis en bas, en haut puis en bas. On va éventuellement essayer cette théorie. Ça fait 1, 3... 8. Mais non, ce serait égalité. Les deux symboles auraient une équivalence. Ce jeu va me rendre fou. C'est pas... Mais non, il doit y avoir une erreur. Attendez, il faut que j'ai conscience de tous les symboles. Les carrés, il y a celui-là, il y a celui-là. J'ai réussi par inadvertance. Bon, on progresse. Là, c'est un succès accidentel. Ah là 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 là. Oh mon dieu. Oui. Bref. Ah, j'ai trouvé un barreau. Alors, barreau de bois, vin rouge. Eh, ça y est, j'ai les 4 bouteilles là. Attendez, j'ai les 4 bouteilles. Alors, je vais rajouter le barreau à l'échelle, au moins ce sera fait. Il ne manque plus qu'un barreau. Sympa. Ah, on va peut-être sortir de la cave. Alors, franchement, le tonneau, je le piche pas. Ça veut dire quoi? Que j'ai déverrouillé un truc? J'ai entendu un son. Non, c'est le son quand je retire le... Oui, non, d'accord. Attends. Merde, je sais plus. Ah, voilà. Voilà, on est d'accord, il y a 4 bouteilles. Tu as besoin de 4 bouteilles en plus pour compléter ma collection. Vous avez besoin de 4 bouteilles de vin pour compléter ma collection. Voilà, c'est traduit. Donc, j'ai la 1891. Rouge, rouge, blanc, rouge. Je sais pas si la couleur a une importance. Je vais noter. Pourquoi j'ai pris un marqueur, moi? J'aurais dû prendre un stylo lambda. Parce que là, je vais faire des gribouillis monstrueux. C'est pas grave, avec la feuille que j'ai, ça va y aller, mais... Ça va aller. Alors, j'ai un vin rouge de... Est-ce que je les ai par ordre? Non, je les ai pas par ordre. Attendez. J'ai un rouge de 1891. J'ai un blanc de 1902. J'ai le rouge de 1911. Un cru qui devrait plaire à FunFan. Puisque ça se finit en 11. Et un rouge de 1918.
Eh bah, démerde-toi avec ça. Que signifie? Tada! Le prix des bouteilles, j'imagine même pas, ouais. Attendez, parce que là, il y a des trucs délirants. Mais 917, plus. Oh, alors. 1919, 1919. Ah, ça y est, Bob Morlock qui a fait de l'art Pikachu, là. Chestilei. C'est le rendez-vous des artistes. 1919, 1879, 19... Ding, 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 ding. Je sens que ça va se finir au pifomètre. Sauf qu'il y a quand même pas mal de combinaisons. Je suis pas certain que fait qu'il y ait un blanc et trois rouges, s'il y a une incidence. C'est les valeurs des crus en fait qui sont importantes. Puis en 18, je vais peut-être le mettre avec le 19. Le 11. Je le mettrai là. Le 1902. Ah non, c'est trop vieux. Je le mettrais. Bah, je peux pas. Non, là, je fais nimp, là. Là, mon truc, il marche pas. Attends, elle est où la logique? Là, c'était pas ici que j'allais déposer la bouteille, je ne sais plus. Merde, rendez-moi ma bouteille. Oh! J'avais pas vu que je pouvais faire vue du dessus, dis donc. Ah, attends, ça va m'aider. Je veux récupérer ma quatrième et dernière bouteille. Elle était où, cette nunuche? Attendez, mon curseur doit devenir bleu. Ah non, c'est un... Oui, c'est vide. Oui, je vois que vous m'avez interpellé. J'arrive. Mais merde, j'ai perdu une bouteille. Oula, ah oui, d'accord, ok. Oula là, oui, doucement. Doucement dans le chat, n'allez pas noyer en ASCII le. Mais elle est où ma bouteille? Bah merde! Je vais recliquer comme un nigaud. Ah! À moins que j'ai placé accidentellement une bouteille comme il fallait. Ce qui fait que je ne peux pas la reprendre. Alors là. Ah non, si, je peux la reprendre là-bas. J'ai rien dit. Attendez, les bouteilles au-dessus, elles vont m'aider. Là, j'ai pas. D'accord, j'ai pas d'année. Merde, oh, je clique mal, hein. Je suis pas exprès, je suis désolé, mais. 1899, 1891, 1897, 1800. J'ai une 1891. Bah, elle, 1891. Je vais mettre celle-là là. La 1902. Et celle-là, ça a été 1891.
Attends, j'ai 99. Faut lire à l'envers. C'est la rangée semble importante, mais pas l'ordre des bouteilles dans les rangées. Seule la rangée est importante. Mais pourquoi? Ce qui me rend fou, c'est d'avoir une rangée proche de l'autre en valeur, 1917 et la 1919. Mais d'accord, il n'y a pas un bug, il n'y a pas un truc tronqué où il faut retourner le 9 en 6. Ou vice versa. Wow. 1899. Je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien du tout. Là, sans déconner, la logique, je la vois pas. Il y a 8 bouteilles par rangée. Je pense pas que ce soit une indication dans l'observation. Alors là. Je pense, il y a rien à en déduire par colonne, je pense pas. On peut pas vraiment distinguer les couleurs des bouteilles, encore qu'il y a des verres de bouteilles qui semblent être verts, jaunes et rouges. Mais bon. Je pense pas que c'est une importance. Quoique, faut rien négliger dans ce genre de jeu. Enfin, ce que j'appelle du jaune, ce serait le blanc. Ah, t'en vois. Oui. Ça c'est du blanc, ça c'est du rouge. Du rouge. Les formes de goulot sont les mêmes. Ah non. Ah, attendez, la forme des bouteilles est pas la même. Celle-là, elle se distingue. C'est une bouteille d'une autre forme. Hey, il faut que je fasse pivoter mes bouteilles, moi. Attendez voir. Il y a peut-être une info qui m'échappe parce que j'ai pas fait tournoyer les objets 3D. Les étiquettes, j'ai l'impression que les étiquettes cachent un truc. Elles sont trop bizarres là, les Tibor Warzaza là. Woody Welbeck. Pourquoi cette forme de bouteille se distingue-t-elle? Quand je suis au-dessus, toutes les bouteilles sont pas les mêmes ni en forme ni en couleur. Là, il faudrait une rouge. Je serais tenté de mettre la rouge de 1891 là. Parce qu'il y a plein de bouteilles de 1800 et ça ferait blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Il me reste 3 bouteilles, mais il reste 1, 2, 3, 4, 5 emplacements. J'ai 2 emplacements qui doivent rester vides. Je ne sais pas pourquoi. Non, je pense pas que ce soit un code, les couleurs, là. Attendez. Vert, jaune, rouge, jaune, jaune, vert, rouge. Non. Il n'y a pas de suite logique. Autant la première rangée tout en haut a une suite logique, autant les autres... Ah, peut-être pas celle du bas. Attends, ça fait vert, rouge, vert, quelque chose. Vert, rouge, jaune, vert. Non, c'est pas logique. Même dans l'autre sens.
Parce que si je devais mettre du jaune là, parce que ça ferait deux jaunes, quatre verts et deux rouges. Enfin, j'ai le cerveau en ébullition. Rouge, rouge, blanc, blanc, blanc. Là, il me faudrait un rouge, mais quelle couleur? Bonjour, Pouvon. Pardon, j'ai le cerveau qui est en train de partir en béchamel. Oui, c'est ça. La cave secrète. Ah, le souci des pseudos en. Oui, ok, des trucs en noir. Oui, un problème d'interface. Oui. Oui. Ouais, les bouteilles étaient là. Mille huit cent soixante-dix-neuf contre 1889. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que le rang du dessus, on n'a que des 1800. Ça me retourne le cerveau. La vache. Oui, re-poupon. Ouais, c'est vrai que c'est chiant quand il y a des soucis d'interface. Vous avez besoin de 4 bouteilles de vin pour compléter ma collection. J'ai les 4 bouteilles, mais je sais pas dans quel ordre les mettre. Je comprends pas la logique. Waouh! 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 Ouais. Ah, si j'y vais au pifomètre, c'est débile, quoi. Je peux essayer de faire une logique au pifomètre, c'est-à-dire de, mais je sais pas combien il y a combinaisons, quoi. Il y en a une tripotée. Ça craint. Ça craint. Non, mais c'est impossible de le faire au pifomètre, le truc. Il y a trop de combinaisons. Merdôme. Oh, c'est une hérésie, mon truc. C'est une hérésie. Je suis obligé d'y aller.
Je pense que c'est le genre de jeu qui peut rendre fou. Le pire, c'est que là, il ne donne pas d'indice. J'ai pas de point d'interrogation en disant. Vous pouvez être guidé, non, c'est. Allez vous faire voir. Attendez, je vais boire un coup là, parce que. Faut que je réhydrate mon cerveau. Oui, une logique à l'éthylomètre serait plus appropriée. Ouais. Bah, le jeu est beau, hein, mais là l'énigme là, elle est waouh. C'est moche de sécher devant une cave à vin. Ah merde. Attendez. J'ai six rangées. J'ai essayé de faire un ordre, de voir s'il y avait un code couleur, si la forme des bouteilles avait une importance. Pardon. Même vu du dessus, ça n'a pas de sens là. Du blanc, du rouge, du blanc, du rouge, du blanc. Il doit y avoir une partie de la clé qui se dévoile à moi lorsque je regarde la vue du dessus avec les années des crues. Est-ce qu'il y a une vue qui a pu m'échapper? Non, visiblement. Jusqu'à tout boire, oui. Bah merde alors. Ça m'a l'air compromis pour Artemis, problème de remplissage de l'oxygène liquide. Ah merde! Ah merde! Alors ils sont donné une fenêtre de 2 heures pour par rapport à ce qu'ils ont annoncé pour avoir de la marge et la fenêtre de tir par rapport au comment ça s'appelle? Ou à la météo et conditions optimales. Voilà, il y avait deux heures, mais. Mais ouais. Oh là là. Moi, enfin, il vaut mieux un retarder la mission Artemis que de faire exploser une fusée qui coûte je sais pas combien de millions d'euros, enfin de même peut-être 1 milliard de dollars, je sais pas combien elle vaut, mais. Il faut vraiment être prudent et pas tenter le diable. Je pense que c'est ma dernière énigme de la cave. Qui va me permettre de. Mince, pardon. La dernière énigme de la cave. Qui va me permettre de déverrouiller le tonneau qui est à côté de moi. Et qui va me donner accès au dernier barreau de l'échelle. Je pense que c'est ça. J'ai quasiment fini la cave. Mais je me heurte à la logique de la. Du système de vin, là, ça me rend fou. On est bien d'accord, si je retourne dans ma cave, il n'y a rien d'autre. J'ai fouillé des contenants, j'ai. L'armoire, je l'ai complètement. On est d'accord, j'ai rien oublié. Attendez, je clique bien pour être sûr de rien zapper. Là, il n'y a plus rien. Là, le truc en or, l'espèce de boîte, je peux rien y faire. Non, c'est bon. Là, histoire de l'établi, je peux rien faire d'autre. L'armoire là, il n'y a rien. Là, j'ai fouillé, j'ai fait le truc des sacs. La boîte là, elle est vide. Il n'y a plus que l'indication qui me sert à rien, là, que j'ai noté. C'était l'électricité. Là, on avait l'entrée. Non, l'échelle, il manque un barreau. Le barreau, je vais l'avoir avec l'énigme des bouteilles de vin. Merdoum.
Non, pas l'armoire, le truc viticole là. C'est cette foutue énigme avec les bouteilles qui m'échappe complètement. Pardon, je vous ai pas lu. Oui, mais il faut normalement 6 heures pour remplir. On est à 4 heures du... Ah ouais. Entièrement d'accord. Mieux vaut temporiser. Il y a plusieurs années de retard sur le programme déjà. Ils sont plus qu'à 3 jours. Oui, ils sont plus à 3 jours près, ouais. Il n'y a pas un barreau planqué dans une des bouteilles? Remarque, j'ai pas essayé de débouchonner. Si j'en ouvre une, je bois à ta santé, poupon. Ah mon Dieu! Non. Nope. Non. L'énigme veut que je replace bien les 4 bouteilles dans les 6 emplacements disponibles. Prosit. Nope. Attends, c'est quoi la flèche retour? Ah, c'est quitter l'énigme. Ah bah tiens, on va jouer un peu l'aide. 1, 2, 3. La note dit que j'ai besoin de 4 bouteilles. Je vais regarder le porte-bouteille et voir ce que je peux faire. Oui, bah oui. Mais j'ai... Merde, l'aide qui reste à l'écran maintenant. Eh, je vais griller mes 3 cartouches, hein, parce que... Oui, d'accord, et après? Il est marrant, lui. Oui, d'accord. Alors, 2 de 3. Les bouteilles de vin doivent être placées selon leur année. Chaque étagère a une indication sur le côté droit, ça devrait aider. Les bouteilles de vin doivent être placées selon leur année. J'ai pris note des années, j'ai pas compris. Là, c'est pas indiqué, mais si on regarde la vidéo dessus, on voit que c'est des crus de 1800. J'ai une bouteille de 1891. Je serais tenté de la mettre. Voilà, celle-là. Mais j'ai d'autres rangées à 1800 et des brouettes. J'en ai deux autres. Le dernier indice dit quoi? Les bouteilles de vin doivent être placées en fonction des dates indiquées sur le côté droit du porte-bouteille. J'ai pas compris la logique. J'ai une bouteille de 1891, une de 1902, une de 1911 et l'autre de 1918. Si je mets 1891 là. Ouais, mais c'est 1889. Alors attends, si je mets celle-là en bas, imaginons. 1911. 1911. Ah, je remonte à l'envers. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ce serait 11. 1918. Je serais tenté de la mettre. 1918. 1902, je suis pas du tout certain de ce que je fais. 1902. Ce serait ça? Mais non, ça va pas. Non, ça n'a pas de sens. L'autre, elle était où? Elle était là. Je crois que je suis tout proche de sortir de la cave. C'est dingue. 1008. Ouais, ou alors. Oui, non, c'est pas grave. Ça tient, je vais réfléchir. Je vais faire dans l'ordre inverse, la 1918. La plus récente. La 1918, je la mettrai où? Je serais tenté de la mettre dans les lignes là. Quoique, il y a celle-là aussi qui est pas mal.
1917, mais je peux pas voir les autres. Ce qui me rend fou, c'est de voir 1917 et 1919. Ça me rend fou. Et j'ai celle de 1918. Non. Si, 1891. La 1891 irait là. La 1902 irait là. Non. Non, ça n'a pas de sens. Le truc, c'est pas déverrouillé. Qu'est-ce qu'il me dit? Les bouteilles de vin doivent être placées en fonction des dates indiquées sur le côté droit du porte-bouteille. Les bouteilles de vin doivent être placées des dates indiquées sur le côté droit du porte-bouteille. Ah bah merde alors. Les autres bouteilles dans le râtelier non sont pas déplaçables. Non, 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 non. Non, 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 ça, là, ce qu'il y a à l'écran, c'est du fixe-fixe. C'est une énigme mathématique ou de logique qui me dépasse, là. C'est couillon parce que c'est la dernière de la cave. Mince. Ah, c'est rageant. D'échouer à si proche du but. Il y a un jeu mathématique avec les dates. Donc par rapport aux indices, il faut que j'oublie mon côté fou tout à l'heure. La théorie du type de vin, que ce soit un blanc, un rosé ou un rouge. Et donc la couleur des bouteilles, vert, jaune ou rouge. Et les formes des bouteilles par rapport à leur goulot. Il y en a des différents. Il faut pas chercher là-dedans. L'énigme repose sur une logique mathématique en fait. Par rapport aux années des crues. Quand tu vas trouver, tu vas t'écrier bon sang, mais c'est bien sûr. Oui, bah comme beaucoup de jeux d'énigmes. Sauf que là, j'ai pas percuté. Je suis pas bon en maths. J'ai beaucoup d'admiration pour les sciences mathématiques, mais je suis pas bon en maths. Par exemple, je connais pas du tout mes tables de multiplication. Je les ai jamais connues. Je me tapais des notes lamentables à l'école là-dessus. Je ferai certainement pas le fanfaron avec ça. Il y a 8 bouteilles par ligne. 8 bouteilles. Est-ce que je peux en conclure quelque chose? J'ai envie de dire non parce que... Oh, l'étagère 1917 et 1919 me rendent ma boule. Ça déjà je comprends pas. Elles sont trop proches l'une de l'autre, je comprends pas. Ça me dérange. La table de 1 quand même. Et la table de 0. Ah mon dieu. 1991 sur l'étagère. Attends, tu suggères quoi, Christella? 1891 sur l'étagère 1909. Ok, je te suis. Là, je rechigne pas à ce que vous émettiez des théories, parce que... Alors, évidemment, n'allez pas regarder la solution sur Internet, parce que là, vous cassez le jeu.
Mais honnêtement, si vous joignez à moi pour essayer de résoudre l'énigme, j'apprécie, merci. La bouteille de 1918 sur l'étagère entre 1917 et 1918. Oui, c'est ce que je faisais instinctivement tout à l'heure. Ok. Fais voir les autres dates des bouteilles. Alors 1902 et 1911. 1902, 1911. Alors, reste 1902 et 1900. Merde, 22, oh le con. 11, oups. J'ai validé trop vite. Je suis un nigaud, didadidadidado. Et je suis un nigaud. Oups là. Comment je vais gérer ça, moi? Tant pis, c'est pas grave. Alors, Poupon dit le 1918 sur l'étagère de 1879. La 1918, mais oui, mais là, attends, Poupon, t'es en train de bouger une bouteille qu'on avait déjà placée. Christella 1702, ce serait à l'étagère 1909. Mais non, on a déjà mis une bouteille, ça va pas? Enfin, je suis en train de confondre vos deux logiques là. Ça ferait 17, 18, 19, dit Poupon. Attendez, je vais respectivement respecter votre. Chacun vos logiques. Je vais me permettre de faire d'abord Christella, ne serait-ce que par galanterie. Mais. Attends, elle est où la bouteille manquante? Ah, elle est là. Et ensuite, je reviendrai vers toi, Poupon. Mais merci de m'aider. Alors, Christella dit 1891 sur l'étagère 1909. Ok. 1902 étagère 1909. Bah non, puisque je viens de mettre la bouteille que tu viens de me dire avant. La 1891, t'es en train de te fourvoyer, Christella. Ça va pas? T'es en train de mettre deux bouteilles à un même emplacement. Je suis désolé, ça va pas ton truc. Alors du coup, je vais essayer Poupon. Alors, Poupon, du coup. Alors, la bouteille de 1918 sur l'étagère entre 1917 et 1918. La 1918, étagère 1917-1918. Ben, on va dire celle-là, 1917. Ah non, tu dis 19-19. Ah bon, ben alors attends, je recommence. 19-19, ok. La 1918. Mais non, ben, je viens de la ranger. Pardon, mais tous les deux, vous vous êtes contredits là. Je deviens fou. Ça ferait 17, 18, 19. Comment ça, je vais essayer, d'accord, je suis pas d'accord. Pardon. C'est le bordel, complètement. Oh mon Dieu. Waouh. Aïe aïe aïe, oh le bazar, c'est le caillon. Eh ouais. Oh mince, mince, mince. Pardon, j'ai de la tension dans mon textile. Pas le moment de déchirer une chemise, surtout qu'elle est neuve de cet été. Attendez, il y a un truc qui percute dans mon cerveau. Attendez, attendez. Attendez, attendez. En plus, la musique va bien, ça m'énerve. La musique va bien avec. Au niveau du suspense.
Il y a 8 bouteilles par emplacement. Pourquoi? Je crois que la 1879, on peut l'éliminer, elle est trop loin. Parce que ma plus vieille bouteille est... attendez, je vous partage ma logique. Ce rayon-là, je serais tenté de l'éliminer. 1879. Pourquoi? Parce que c'est trop vieux. C'est trop vieux. Ma plus vieille bouteille est de 1891. Or, pour 1891, 1889 est plus proche. Donc, par déduction, je mettrai la 1800 que j'ai en bas. Mais il m'en reste 3 autres sur les bras. Si j'élimine le 1879, il faudrait que je mette les 3 autres soit en 1917, en 1919 et en 1909. Mais pourquoi? Ensuite arrive 1902. 1902. 1902. Que je mettrai dans 1909, le plus proche. Il me reste 1911. Que je mettrai en 1917. Et la 1918, je la mettrai en 1919. J'espère qu'il y aura un clic quand j'aurai trouvé le truc. J'en conclus que j'ai tout faux. Oui, je comprends que t'aies un mal de crâne, mon pauvre fan. Moi aussi, ça commence à venir. Les dates des bouteilles, c'est... ouais, c'est ça. Ah non, 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 non. Attendez, attendez. Je vais vous saisir mes bouteilles. Attendez. Alors, mes bouteilles. On a 1880. Oh, attendez. Je vais prendre poliment mon clavier sur moi. Voilà. Alors. 1891. C'est du rouge. Je pense pas que les couleurs aient une importance. Enfin, je le mets quand même. On sait jamais. C'est une info. Décidément, mon morceau de papier qui veut pas tenir, il me le gave. Voilà, là, il tient. Alors, 1902. Bonjour, Théo. J'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour. C'est du blanc. Alors... Il y a 1911, c'est du rouge. Et 1918, c'est du rouge. Voilà mes bouteilles. Ouais, oh, n'invoque pas Twinsen, fan. Parce que ce qui me fait peur avec Twinsen, c'est qu'il balance carrément la soluce. Ou tu veux un code? Non. C'est non, catégorique. Je préfère encore trouver en équipe, à défaut de trouver moi-même, mais je veux pas qu'on me balance la réponse pour ceux qu'on a déjà trouvé. Sinon, c'est pas cool, il n'y a plus d'intérêt de jouer. Ouais, ça va super, c'est cool Théo. Bien. Voilà, voilà. Alors, attendez, je récupère mes bouteilles à nouveau. Merdoum, ça y est, je vais y arriver. Et l'autre, elle est... Voilà, elle était là. Ah, on y retourne. Papa, papa, papa. Mais, frère... Je relis les étiquettes. Hein. Ilatos, Princess, Body, Malbec. Non, je pense pas. Je pense pas que les lettres, les gribouillis aient un sens. Chardonnay... Sauvignon, ouais, non. Oh la vache. Ah, t'as une solution à me proposer, Christella. Poupon dit, je comprends pas, tu as 4 bouteilles et 5 étagères, donc il y a un trou.
Oui, ça veut dire qu'il y a des, il y en a, il y a des étagères qui vont rester vides. Celle du haut, je pense qu'elle va rester vide aussi, quoique je peux placer une bouteille si je veux en haut. Mais quand on se penche par le dessus en haut, on se rend compte que les étiquettes des bouteilles rangées sont tous des crus de 1800. 1899, 1891, on ne sait pas, mais ça va être 1800 quelque chose. 1897 et 1899 à nouveau. Voilà, les deux là sont de la même année. Si on va là, c'est là où on peut mettre la bouteille. Là, je suis en droit de mettre une bouteille. Mais est-ce que le mot cacherait un cru? J'ai pas l'impression. Ou alors ça a été retiré, ça a été effacé, c'est bizarre. Bah, première étagère, bouteille 1800 alors. Bah, visiblement, oui. Mais là, ça voudrait dire que le truc arraché en vert, là, Burke, le cadre vert cracra, le restant de colle, ce serait 1800, je sais pas quoi. Oui, il y a Christella qui avait dit j'ai une étagère. Une étagère. Une étagère à proposer. Non. Une solution à proposer. 1891, étagère, 1900. Quoi? Ah, je te suis, Christella. 1891, tu la mets dans l'étagère 1889. Donc en bas. Ok. 1891, je la mets en bas. Je te suis, Christella. Non, attends. 1880, étagère du haut. Ok. Étagère du haut. C'est bon, c'est corrigé. On dirait un label manquant. Oui, bah ouais. Ouais, c'est une étiquette qui a été arrachée. Ça fait partie de l'énigme. Que veux-tu? Alors, la bouteille de 1902 dans les Dachères de 1909. Ok, c'est comme ça. Deux bouteilles sur quatre. La bouteille de 1911 dans l'étagère de 1917. 1911 dans l'étagère de 1917. Ok. Et la 1918 dans l'étagère 1919. Je crains que nous ayons déjà fait cette combinaison. Non. Merci Christella. Ah, t'es la plus forte, t'es la meilleure. Tu es la meilleure, il s'est passé un truc. Hey, GG, t'es une chef, Christella. Merci. Alors, j'ai pas compris ton raisonnement, mais t'es une chef. Bah merde, j'ai cru qu'on avait fait la combinaison. Ok, on continue. Waouh. Attends, faut faire passer les barreaux. Ouais, année en dessous du chiffre indiqué. Attends, j'y retourne. Année en dessous du chiffre indiqué. 1902 dans l'étagère de 1900. Ah, c'était la valeur maximale de la rangée en fait, au niveau de l'année. Oh la vache! Oui, coucou, tu une scène. Alors là, Christella, bravo, respect. Là, j'ai envie de dire, je repense à la chanson de Mylène Farmer, je sais plus, dans un de ses couplets, elle disait la force est féminine. Là, pour le coup, t'en as fait une belle démonstration. Je dois enfiler les cubes métalliques ou je dois les éviter? Non, je dois les éviter.
Je dois les éviter. Là, j'ai faux. Oui, ça y est. Oh. Oui, c'est un peu cucu la praline, là. Là, on se détend, là. Oui, je pars surtout du bas, parce que on voit que c'est le gros crochet qui est... Voilà. Oui. Alors, un petit peu... Voilà, c'est gentil. What? C'est quoi, ce truc? Un petit triangle fait avec du matériau d'haute qualité. On dirait presque une... Pas une alliance, mais une dague... Enfin, non, pas une dague, une chevalière. Voilà, cherchez le nom. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Oh merde! Plaque en bois avec des symboles. Ah, je vais me le renoter dans mes aiguilles. J'aurai le 4 et j'aurai le 2. Mais non, le 2. Le 2, c'était le... Ou alors, est-ce qu'un même symbole peut avoir une même valeur? Peut-être. Je vais me les noter en attendant. On verra. Ah, par contre, le 4, j'avais pas. Donc, j'avais un ancien truc où il me disait 1 et 4, 5, ce serait ça. Bon, si à un moment j'ai une histoire de symboles et de valeurs, de... Voilà, il faudra que je remette en ordre tout ça. Je peux pas fusionner les deux trucs, on est... Ah si, merde. Ah si, je peux fusionner les deux trucs. Une plaque en bois avec des symboles dessus, ok. Ah. Voilà. C'est le damage chicode. Bon, je vais prendre de l'aspirine, bon courage. Oui, à plus, merci Poupon. À plus, à plus. Je suis sûr que c'est Canel qui a soufflé. Qui lui a soufflé, ah mon dieu. Non, non, bien vu, bien vu. Bisous, bisous. Ah. Il manque un... Ah non, non, ne me dis pas que c'est le dernier barreau de l'échelle, le machin. Non, c'est un barreau de fortune, attendez. Ah non. J'ai abusé. J'ai abusé, je peux pas faire ça. Ah, c'est ça le... D'accord. Pardon. Eh ben, on va se barrer de la cave, eh oh. Ah, enfin. Oh merde. Oulalalala. Oulalalala. Bon, bah je vais avoir besoin des symboles et des valeurs. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque le 6 et le 0 dans mon... Ça, alors ça, c'est le genre de problème qu'adore une scène. Il nous avait soumis un truc du genre là il n'y a pas longtemps dans le Discord. Alors... Obtenir un 9, obtenir un 7. Là, il y a Zigoui, là, il y a Zigoui. Le 4. Donc là, ce serait un 4. Là, ce serait un 4. Si j'essaie de faire un semblant de 1. Voilà, 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Sauf que visiblement, c'est pas ça. Le 9. Attends, j'obtiens 1 plus quelque chose est égal... Au moins, c'est une équation à 1 degré. 1 plus quelque chose égale 5. 1 plus 4. Ah oui, c'est logique, 4. Attendez. 4, 2, 1. Ça fait 7, ça fait pas 9. Là, je suis d'accord.
4 et 2 et 1, ça fait 7. 4, là j'obtiens 1, 2 et 3, ça fait 6, ça fait pas 4. Ça, ce serait 5. Donc 2 et 2, 4 et 1, 5. Ah bah là, c'est bon là. 2 et 2, enfin 2 plus 2 plus 1 égale 5, je suis d'accord. Là, le 9, ce serait quoi? Ce serait 5 plus 2, ça fait 7. Et 1, ça fait 8. Et comment ça, il va le manger? Christella qui a dit au curé, mais qu'il est bête une scène, mais qu'il est bête. Ah là 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 là. Ah, vous êtes terrible. Déjà individuellement vous êtes géniaux, mais alors en collectif c'est wouh, plus on est fou plus on rit. Merci à vous d'être là. Attendez. 1, 2, 3, 6, 10, 5. Non. 4. 2. 6 et 1, 7. Oui, c'est ça. Ah merde alors. Oui, ça fait 4. 1, 2 et 1, ça fait 4. Là, le symbole là, ça veut dire 5. 2 et 2, 1 et 3. Merde, c'est un 3. Ça va pas, ça fait 7 au lieu de 5. Attendez, il y a un truc qui va pas. Waouh! Une vocale avec tout le monde. Oula, oui, c'est une scène. Oula! Peut-être qu'un jour ça se fera, mais c'est waouh! C'est la folie. Oui, chez FunFan, on se fera une vocale ce soir. Oui, Deus Ex, oui, il y aura moyen de parler. Oui, ça peut faire saturer le son, oui, Christella, ouais, ouais. Mais bon, l'ambiance est sympa, c'est toujours cool. Ça fait, j'aime bien, entre guillemets, sans le côté polchetron, c'est ambiance bar comptoir, j'aime bien moi, ça me détend vachement. Alors, que je continue de me creuser la tête. Parce que, pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, hein, je regarde même pas mes compteurs d'audience, mais j'ai essayé de remplacer en récoltant les symboles que j'ai vus précédemment, voilà quoi. Vous voyez, je suis des petits gribouillés. Donc j'essaye de faire le truc en logique. On va sortir de la cave, j'y crois. J'y crois, j'y crois. Ça, le symbole là, oui, vous voyez mon curseur. Ça, ça veut dire 4. Là, j'aurais 1 plus 2 plus 1, ça fait bien 4. Là, ce serait bon. Le symbole là veut dire 5, visiblement. 2, 2 et 3, non, ça fait 7, ça fait pas 5. Il faudrait que je mette un 1 comme ça. Ouais! Succès déverrouillé, cave! Alors, attendez, je vous lis. Mais là, impossible pour toi de te concentrer pour ce genre de jeu. Bah non, tu une scène, je vais pas mettre une vocale avec tout le monde si je... Oui, non, je deviendrai fou. Ça va, franchement là l'écrit est approprié, mais merci à vous de m'aider. La cuisine, et Schmitt, la cuisine. Après avoir trouvé le code de la trappe, je suis monté à l'échelle pour émerger dans une cuisine bien rangée. J'ai compris alors qu'obtenir l'héritage de mon oncle n'était pas une tâche facile, et je me suis demandé si c'était lui qui avait conçu tous ces mécanismes. Oui, merci pour le GG. Oui, ce serait un jarre, une scène. Alors que je découvrais mon nouvel environnement, la trappe se referma avec un bruit assourdissant et me fit sursauter. Après m'être calmé, je réalisais que la seule issue était bloquée. Si je voulais sortir de là, je devais continuer à jouer.
Bon, au moins l'électricité fonctionnait. La pièce était lumineuse et je dois admettre que j'ai aimé le design. Seulement, elle semblait un peu trop spacieuse. Mais qui sait combien de personnes devaient travailler ici pour préparer des repas ou faire des gâteaux pour satisfaire mon cher oncle? Je me demandais si je pourrais me payer moi-même un chef cuisinier personnel ou deux. Après quelques rapides calculs, je compris qu'il était plus probable que je devienne plutôt le chef cuisinier que quelqu'un d'autre. Je me suis donc concentré sur ma situation actuelle. En fait, j'avais trouvé ces énigmes très captivantes et j'ai dû admettre que c'était une manière intéressante de me rapprocher de mon oncle, bien qu'il soit un peu bizarre. Encore, le connaissant, il avait dû faire de son mieux pour trouver des idées originales. J'étais impatient de prouver que j'étais plus intelligent qu'il ne le pensait, beaucoup plus même. Voilà, on continue. Alors, la version démo, à mon avis, s'arrêtait à la cave. Et là, je dois découvrir le contenu tout nouveau du jeu en lui-même, que je connais donc pas. Je dis, oh, ah, pas mal l'ambiance. On va faire déjà un premier tour de la pièce. Tu penses y faire de la purée, oui. Alors, des fans de go, tu dis souvent purée. Sacré fan. Wow. Ah, c'est la trappe d'où on vient. Je dois trouver un autre moyen de sortir. Ok. Alors, on fait un petit tour de visite là, et seulement après, on scrute les objets, les. Oh la porte! Oh la porte, elle va être mouse costaud. Ouais. Pas si spacieuse que ça, la cuisine. Tiens, on trouve les mêmes vases que dans l'armoire en bas à la cave. Il y a un truc coincé sous la chaise. C'est quoi sous la chaise? Ah, une partie d'un tableau. Ouais, on voit un melon avec des pastèques. Ah, une planche à découper. Une partie de tableau. Ok. Ok, tout l'alphabet y passe. Hein? C'est quoi? Une casserole violette. Une partie de tableau. Non. Va falloir ouvrir tous les contenants. À plus, Bob Morlock. Ah, t'as le bide en vrac. Ah non, mais non, mais non, t'es en voie de rétablissement, Bob. Bah oui, alors pour ceux qui savaient pas, pauvre Bob, il a mangé un hamburger il y a une semaine, le week-end dernier. Il s'est chopé une intoxication alimentaire qui l'a laissé sur le trône toute la semaine. Donc il a encore barbouillé, le pauvre. Bon courage à toi, Bob, repose-toi bien. Oh là là. Courage, courage. Alors, la future copine de FunFan devra savoir la purée, sinon elle ne sera pas possible. Je dis aussi aux la vache. Oh, en parlant de vache, on en a filmé de très près avec Froboz hier. On vous montrera ça prochainement. La promenade, j'étais vraiment surpris, mais on était vraiment près des vaches, hein, mais à 2 mètres. C'était très sympa. Bah oui, on est samedi, ouais. Samedi, c'est purée pour FunFan. Dans son grand rituel. Oui, merci d'être passé, Bob. Bisous tout plein. Une purge, ça fait du bien. Ouais, mais attends, une scène. Et la purge qui dure une semaine. Non, mais t'es, voilà, t'es fracassé, quoi.
Elle n'a pas besoin de le faire, je lui ferai, mais elle doit l'apprécier. Pardon, pardon, pardon. Je commençais à faire double lecture de ce que disait FunFan. Oui, là, je vais faire le... Quoi? Oui, Game of Thrones. Ouais, des... Voilà. Courage, Bob, courage. Et le compte rendu sera comment? Là, par contre, je te suis pas. C'est une scène, là, je te suis pas. Bref, les tiroirs. Oh! Pourquoi je peux pas ouvrir ça? C'est collé, je dois le casser. Bah, avec la poêle. Un coup de casserole et bling! Alors, tu me dis, j'ai trop hâte qu'on soit le samedi 11 novembre 2023 pour manger de la purée le 11-11. Le compte rendu de la nouvelle escapade. Ah, oui, d'accord. Oui. Mais alors, j'ai pas encore manipulé le téléphone qui va servir de caméra avec les vidéos dedans. Attendez, je vous mets une vue de la cuisine en poireautant avec vous. En papotant, pardon. Je pense, sans déconner, là je crois que j'ai eu aucune coupure d'enregistrement. Donc, sachant que la promenade a fait au moins 6 heures, je vais avoir 6 heures de vidéo et on risque de couper en deux. Une soirée 3 heures et une autre soirée 3 heures. Ce qui fait qu'en gros, on fait une soirée l'aller et une soirée le retour. Voilà. Alors attendez, si je dois ouvrir tous les placards, oui. Oh, un apron. Oh la vache, faut fouiller la cuisine. C'est bizarre, il y a beaucoup de draps dans la cuisine. C'est une machine à café, dommage qu'il n'y ait pas de café. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est là où il faut ouvrir grand ses yeux, parce que si je loupe une clé comme tout à l'heure. Ouais, des couverts. Ah! Pièce du tableau. Je sais pas où est-ce qu'il est leur tableau, mais. Ah! Il y a encore un truc énigmatique. Attendez. Attendez. Petit panneau en bois avec un connecteur métallique, oui. Mais ça, c'est le symbole 3. Il y a d'autres placards. Là, je peux interagir. Non. Il n'y a rien d'autre. Ah oui, hydrater le sage. Oui, merci Théo. Oui, t'as raison. Merde, j'ai quasiment plus. Ah merde! Ah oui, j'ai plus de bouteille. Ah oui, j'ai oublié de remplir ma bouteille de flotte. Il manque quelque chose au milieu. Oui, le symbole du 1. Le sein. Wouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, on touchera après, non? Waouh, on y reviendra après. Oh merde, et puis il y a le dessus aussi. Ok. Il y a des symboles. Oh! Oh là là, c'est une combinaison ça. Ah! Oh merde, 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 j'ai zappé trop vite. Ah con, j'ai cliqué avec frénésie, j'aurais pas dû, j'ai loupé un message. Je peux pas la soulever, je préfère rester à l'écart, elle est répugnante à voir. Ok. Je pourrais accrocher une casserole ici. Ouais, je peux remettre les casseroles en attendant. Ouais.
C'est quoi ça? Un tableau en bois avec une liste d'ingrédients. Oh merde! Waouh! Bon appétit! Ouais. Je crois qu'on va déguster. Ok. La porte, elle est redoutable, la porte. Tiens. Ah non, je peux pas toucher un truc. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc de malade? Attends, c'est pas ça? Non, je vais essayer autre chose. Oh là 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 là, les casse-têtes! Alors je vous rassure, hein, j'ai pas oublié la partie supérieure du. La partie supérieure du. Oh, le vaisselier. De la cuisine. Oh non! Oh, c'est vicieux ça! C'est vicieux! Oh la vache! Merde, je peux pas fermer la porte? Ah si. Je peux pas aller à côté l'autre truc, non? Mais si, je peux. Alors, qu'avons-nous là? Canigula. Oh les boucs. Oh non! Oh non! Il faut libérer un morceau de tableau. Ça va, c'est facile. C'est pas la logique de la bouteille de vin, vous savez, où si j'y vais pas dans le bon ordre et dans le bon sens, je l'ai dans le baba. Là, il me donne carrément le. Ok, bon, hein, c'est gentillet là. Autant dire que c'est donné. Faut bien regarder que le curseur s'il passe du jaune au bleu. C'est-à-dire qu'il y a interaction possible. Non, c'est un chiffon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dois savoir ce qui manque. Ah, c'est le tableau! Ah, d'accord. Ok. Bon, je mets en vrac les pièces. Je ferai le tri plus tard. Ah bah. Il y a une pièce. Les assiettes peintes sont si laides. Ouais. Ouais. Oh la vache. Un coteau. Un costaud cadenas. Ouais. Il doit y avoir une clé quelque part. Ça, c'est l'aération. Je devine qu'il y avait un certain nombre de domestiques dans ce manoir. Ah, bah, c'est le truc que j'ai là. C'est ça. Ah, il m'en manque un. Il m'en manque un. L'armoire, non. La corbeille, non plus. Il y a le petit. Rien de très intéressant, juste un peu de pain et quelques tasses. Si tu le dis. Non, mais j'ai déjà fait ici, c'est bon. Les rideaux sont tirés, je peux pas manipuler. J'ai pas regardé le plafond. Attendez voir. Même le sol d'ailleurs, il pourrait peut-être y avoir un truc. Eh, c'est bizarre ça. Le carrelage est bien coincé, mais il semblerait mal collé. Mon oncle a dû laisser quelque chose pour l'enlever. Ça, la planche. J'ai besoin de quelque chose de long et fin, mais solide. Long, fin et solide. Eh, vous avez vu? Là, il y a 4. Là, il y a 2. Il y a 2, il y a 4, il y a 2. Et il y a 2. Pourquoi il y a l'exception à 4 à l'angle?
Est-ce que c'est la fusion des deux qui se rencontre? Ah, possible. Ça se tourne ou ça se... Non. Non, non, non. Bon, rebonjour Erika. Alors attendez, je vais faire la partie... J'ai pas fait l'angle. Ah non, il n'y a rien. J'ai pas fait la partie supérieure du meuble de cuisine. Ah. Ah, casserole bleue. Ouais, c'est vrai qu'il y a des casseroles, on avait vu. Non. Ouais. Il y avait la logique avec les... Ah, il y a un symbole là, non? Bizarre. La carafe là, on dirait trop la carafe dans La Belle et la Bête. Elle a la forme. Non, il n'y a rien. Ouais, j'y retournerai si j'ai un doute, mais... Ah, ce serait là. Non. La râpe à fromage. La râpe à fromage ici avait son importance. Non, là, je peux pas ouvrir. C'est bizarre ça comme dispositif quand même. Et là, il y a un truc à code. Alors c'est là où on va commencer à faire fonctionner les méninges. La casserole, elle a pas de... Pourquoi elle est retournée la casserole? Oh, c'est bizarre. Une râpe à fromage. Tableau de bois avec la liste des ingrédients. Attends, si, la, voilà la couscoussière, enfin la marmite dégueulasse. Elle a le symbole. Ah, pasta penne. Ce serait des penne ici. Ok. Bonjour, ah oui, le chitophone, mince, je me fais avoir. Sacré fun fan. Il manque quelque chose. Ah oui, alors ça. Ça, je pense qu'il y a moyen d'interagir, mais. Ah, il faut cliquer, il faut pas coulisser, il faut cliquer. Ah, c'est encore un truc à faire dans l'ordre. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. J'ai gagné. Alors, le tableau mystère. Pas le mien, mais celui de ledit oncle. Ah, il a la... Allez, go. Attends, est-ce que je peux déjà essayer de mettre en forme le schmilblick? Non, je dois trouver toutes les images avant de résoudre le... D'accord. On a pas essayé d'ouvrir ça. Mais oui, je suis con, moi. Ah, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Ouais, le coup des molettes, on avait déjà vu. Oh non. Oh merde. Ah, c'est ça le coup du... D'accord. Alors, si je veux ouvrir au-dessus... Ok, j'ai retenu la combinaison.
Oui, bah voilà, comme ça. Et l'autre, il faut qu'il pointe vers le bas. J'ai déverrouillé au-dessus. Ah. Ah, tournevis, c'est le truc qu'il me faut pour le... Ça qu'il me faut, non? Bah voilà, logique. Logique. Quoi? Manger. Hate. Une partie de tableau. D'ailleurs, je suis bête, j'ai pas essayé de retourner les pièces. Non, il n'y a pas de... Oh, cette cuisine de fou. Mince, oui, il faut que j'aille plus près. Ah, merdoum! C'est là où je vais faire le jeu en une journée. Non, je pense pas. Surtout qu'il est déjà 17h des brouettes. Oh la vache. Et à 19h, il faut que je fasse les bibilles. Ah, si je suis vraiment bloqué, je passerai sur autre chose dans quelques minutes. Je passerai peut-être sur du hérétique avant de faire les bibilles à 19h. C'était quoi ça déjà? Ah, mais attends, mais. J'ai pas su. Attends, j'ai ouvert l'armoire là ou pas? Attends, là je deviens profondément débile parce que. Je sais plus. Non, je peux pas ouvrir là. Ah, kitchen. Non, mais il faut que je puisse. Bah oui. Il me manque un. Wow. J'ai la râpe à fromage, j'ai la table du bordel. Ça, c'est avec la numérologie locale, là. Ah, attends, il y avait un autre symbole avec les radiateurs. Il y avait un autre symbole avec les radiateurs, c'était où? Où est-ce qu'on avait vu ça? Je sais plus. C'était pas dans un meuble? Merde, je sais plus. Oui, non, d'accord, c'est la porte, mais là, je m'en moque. C'est pas ça que je voulais. Merde, il y avait un code quelque part, je crois, non? Non. Non, non, non. Non, c'était pas là non plus. Merde, où est-ce qu'on avait vu l'autre code? Là, il n'y avait rien. Non, il dit que c'est du pain et machin. C'était pas là-dedans? Où est-ce qu'on avait vu un code? Avec le radiateur, là, les deux cercles. Il y avait une autre combinaison, mais je sais plus c'est laquelle. Là, on voit pas s'il y a une combinaison. Merdoum, j'ai déjà oublié un élément qui était derrière moi. Ah, c'est ça. Ok, il faut faire ça comme ça. D'accord. Non, pas la porte. C'est moi ou il y a encore un carrelage bizarre au sol? Non, ah non, c'est un jeu de lumière, c'est un reflet. C'est un reflet. Il y a ça. Et il y a ça. Non. Voilà. Comme ça. Attends, je suis bête, mais non. Ah si, non. Je croyais que je pouvais manipuler le carton devant, le colis, mais non. Là, il s'est passé un truc. Oui, mais ça correspond à quoi? Ça correspond pas à ça. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé? Pardon. Ay, caramba.
Alors j'ai déverrouillé un truc, mais quoi? J'ai déverrouillé un truc, mais quoi? Là, il faut une clé. Oh merde, j'ai bougé un truc. Waouh. Bart Simpson, ouais. J'ai déverrouillé l'autre. Ok. Ça me rappelle un souvenir d'enfance. Le beau ramequin en bois, là, laqué. J'ai souvenir dans mon enfance que mon papa en avait un. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Quelqu'un nous l'aurait chipé ou l'a donné, je sais pas. J'ai souvenir d'un ramequin en bois quand j'étais gamin. Vraiment le même genre de contenant. Bref. Je parle pour ne rien dire. Oh la vache, il manque encore 7 pièces. J'ai la râpe à fromage, j'ai le panneau en bois avec les aliments. Là, ça, je suis censé le fracasser, mais j'ai pas l'outil. Avec un marteau, bah c'est logique, ouais, sauf que le marteau. Voilà quoi. Il y a des trucs à combinaison. Là, c'est l'alphabet classique. Dans la logique du Schmilblick, qu'est-ce que je serais censé faire? Ah oui, de la vaisselle sale, tout comme chez moi. Ouais, je peux pas m'en approcher pour autant. La grille de ventilation, tu l'as regardée? La grille de ventilation, me dit Christ... Erika. La quoi? La grille de ventilation. Déjà, là, il y a un truc qui... Ah non, c'est une tâche, ça m'intriguait. Non, je peux pas interagir avec autre chose, là. La grille de ventilation. On a la porte. Ah, ça! Non, je peux pas interagir avec. Mais merci de la suggestion, Erika. Ouais, cauchemar en cuisine. Ouais. La râpe à fromage, le truc. Il me manque une casserole dans leur truc comique là. Ouais. J'ai rien zappé d'autre. Là, c'était la foire fouille, hein. Il y avait de ces trucs. J'espère que j'ai rien loupé. Je reclique avec frénésie. Je vais être sûr de pas avoir loupé un truc. Alors, spatule en bois, on s'en fout. Et là, il y a un chiffon. Donc, on s'en fout. J'ai cru à un moment que je pouvais interagir. Non, c'est pas logique. J'aime beaucoup le napperon. Il y a les couillons, mais le napperon, j'aime bien. Je m'assure que j'ai rien oublié. Ah! C'est quoi ce délire? Un fer à cheval. Sauf qu'il apparaît pas dans l'inventaire. On va dire qu'il va me porter chance. Attends, mais il est fourbe le carrelage de cette cuisine. Il est juste trop fourbe.
Oh, la crasse. La crasse par rapport à l'accès à la cave. La rigolade. Ah, ces radiateurs. Oui, les assiettes, les assiettes, les assiettes. Les assiettes, les symboles. Alors, du rouge vers le mauve. D'après moi, j'aurai 2, 4, je sais pas quoi, et 5. Le cercle en fleurs, là, je sais pas à quoi ça correspond. Je l'ai encore noté nulle part. Mais je considère. Je prends ma logique des chiffres de la cave. Sauf que si on revoit la planche en bois, on voit que les symboles correspondent à autre chose. Donc là, j'aurais du cheddar par exemple dans le vert. La rouge, ce serait quoi? Ce serait des pâtes à la macaroni. L'assiette bleue, ce serait des fromages suisses. Et l'assiette mauve, ce serait des lasagnes. Étrange. Je peux pas les manipuler, si? Non, je peux pas les manipuler. Il y a une chose que j'aimerais vérifier. Le gros panneau là, ça correspond à ce que j'ai en miniature? Ou pas? Je suis chez là. Je jette un coup d'œil, hein, je compare. Oui, ça m'a l'air d'être strictement pareil. Macaroni, spaghetti. Ravioli, lasagne et penne. Ouais, non, c'est strictement la copie conforme. On est d'accord. Très bizarre, je le note pour plus tard. Oui, bah oui. Donc ça va. Là, il n'y a pas d'entourloupe. Le truc est cohérent. Il n'y a pas d'entourloupe. La râpe à fromage. Je me demande bien à quoi elle va me servir. Attendez, voir. Je ne l'ai pas ausculté. Bah, c'est. Sans le négliger, ce n'est qu'une râpe à fromage. Il avait dit quoi? Juste quelques. Ouais, du pain et quelques tasses. Je vais râper le pain! Oh, cette armoire, ça c'est bizarre. On dirait des porte-bougies, ça. Ah, je peux pas laisser le truc mis ouvert, c'est ouvert ou fermé. Ah. Oh là 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 là. Ouais, vaisselier, je pense que j'ai fait les manips dans le meuble. Où sera la prochaine phase d'action? Hit. En trois lettres, hit. Là, c'est des symboles. Là-bas, c'est l'alphabet, mais. Ah, il faut que je reproduise hit là-dedans. Wouah. Ah, c'est le frigo. Bah, je trouve qu'il est pas mal. C'est-à-dire que il me semble un niveau moyen. Il est pas trop dur. Il est pas, j'ai envie de dire, entre guillemets, tordu et complexe comme un mist. Mist, c'est balèze. Lui,
On est plus proche d'un quelque chose d'instinctif et un peu guidé à la The Room, ce qui me va très bien. Mais encore merci à Christella tout à l'heure pour la cave à vin. Ouais. Ah, un plat en métal s'est collé ensemble car j'arrive pas à soulever le haut. Oh. Voilà qui est étrange. Oh, les bouteilles. Ah, il y avait une partie de tableau sous les bouteilles. Oh la vache. Heureusement que j'ai cliqué. Alors, le frometon. Frometon combinaison à 5. Avec les fameux symboles. Oh, ok, fromage. Alors, la râpe à fromage interviendra à ce moment-là. C'est pas pour tout de suite. On est des gros dégueulasses, on laisse le frigo ouvert. Alors, je te mets voilà, la pièce. Allez, hop. Attends. Un plat en métal s'est collé ensemble car j'arrive pas à le soulever à soulever le haut. On est d'accord, non, c'était pas ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut que je fasse chauffer mon truc pour le décoller. Non. Non, c'est pas logique mon truc. Il y a des combinaisons. Il y a des combinaisons. J'ai encore un truc à 3 et ici à 5. Combinaison à 3 et à 5. Oh la vache. Combinaison à 3 et à 5. J'ai aucune indication là pour les trucs à 3 et à 5. Comment je peux faire? Je crois qu'il faut que je me concentre sur ce que je viens de. Il faut que je me concentre sur ce qui est sorti du frigo. Le plan métal bizarre là. Pourquoi je peux pas le dessouder? Ce serait un poids? Un poids que je. Quand même pas aux casseroles. C'est pas logique. Oui, on est d'accord. Je peux pas mettre le poids. Le truc dans la marmite. Non, je dois essayer autre chose. Bah, le fromage, je pense qu'il faudrait que je mette le fromage quand je l'aurai râpé dans le truc dégueulasse, non? Enfin, dans la marmite. Je dis dégueulasse parce que je m'en tiens à la description, mais. Ah, le marteau. C'est pas un marteau en soi, mais si je fracasse ça contre. Ah non. À quoi peut me servir le. Faut que je joue à la dinette? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faut pas que je range quand même le truc là-dedans. Oui, ça n'a pas de sens non plus. Pourquoi il y a un truc qui m'échappe là? Non, il n'y a rien là. Non, 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 non. À quoi peut me servir le truc métallique? C'est collé ensemble. J'arrive pas à soulever le haut.
Ouais, non, c'est... Il me manque un bouton. Il y avait quoi là? Ouais. Bon là il y avait le truc. Mais... Non. Ouais, il y avait les radiateurs. J'avais tout bien récupéré, non? Les casseroles, il y a une mauve, une verte, ce serait pas le code pour la porte. Oui, pardon, excuse-moi, Erika. Le code pour la porte, la couleur des casseroles. Mais attention, Erika. Les casseroles, je peux les saisir et les manipuler. Attends, regarde, je te montre. Regarde, je peux les shipper et je peux les manipuler, tu vois. Il y a la mauve. Est-ce que je peux pas fusionner? Non. Il y a la verte. La porte du four. La porte du four. On est d'accord, je peux pas me barrer avec la trame du truc. Non. La porte du four. Ah, tu veux un lien entre les casseroles et ça? Non. Ah! La couleur des assiettes est leur symbole. Tu me donnes une idée, Erika. Je vais associer les symboles, les couleurs. Attends voir. Il y a peut-être quelque chose. Alors, va représenter le truc, toi. Je vais d'abord reprendre les symboles énigmatiques. Là, j'ai du rouge. Là, j'ai du bleu. Là, j'ai du vert et là, j'ai du mauve. On va dire mauve, je précise, à la place de marron. Donc voilà, je gribouille déjà ça. Et j'essaie de voir avec les casseroles. J'ai une verte, une mauve et une bleue. Donc la prochaine casserole qui me manque, elle est peut-être rouge. Ouais, bien vu, Erika. T'as sûrement raison. Doit y avoir un truc comme ça. Peut-être de déduire un truc de la... Attends, j'ai un doute qui s'est mis en moi. Je peux mettre les casseroles dans l'ordre que je veux ou c'est prédéfini? Là, j'ai fait vert, mauve, bleu. Non, je peux mettre dans l'ordre que je veux. Je peux mettre dans l'ordre que je veux. Mais si je respecte comme les assiettes. Il manque la rouge, donc je peux pas commencer. Ensuite, je mets la bleue. Ensuite, je mets la verte. Et ensuite, je mets la mauve. Là, il me manque une petite rouge. Il me manque une petite rouge. Si on est logique, il me faut une petite casserole rouge. Et je l'aurais loupée nulle part? Oh merde, il se passe un truc. Ah, Devil Olive, bonjour et merci pour le relais de chaîne. La verte doit être dans le symbole du milieu selon la logique. Ah, je vois ce que tu veux dire, Erika. Donc ce serait par rapport aux assiettes. Ah oui, ce serait ça.
Donc, il faudra que je mette ensuite la mauve sur le côté droit. Bonjour, début le livre, j'espère que ton direct s'est bien passé. Merci pour le relais de chaîne. T'étais sur quoi du coup? Je fais mon curieux, penses-tu? Là, je Message de suppose. FunFan 1992, bonjour et bienvenue à la communauté de Devil Alive. Je suis posé sur un jeu d'énigmes. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bah, la logique voudrait que ce soit ça, Erika, mais ça marche pas. J'ai fait des symboles qui concordent aux couleurs bleu, vert et mauve. Il se passe rien. C'était pas idiot du tout, mais c'est pas ça. Merde alors. Oh, Far Cry 4, il faudra que je le fasse un jour. Je le laisse sur PS3, mais le problème c'est que sur PS3, Far Cry 4, il est dégradé. Et je me dis qu'il faudra que je le fasse un jour sur PC en meilleure qualité. Inverse les deux de chaque côté. D'accord, Erika. Je vais essayer ça. Donc là, je mettrai l'autre symbole. Bah, celui-là. Et là, je mettrai le. Merde, je sais plus. Oui, le symbole du mauve. Il est où mon espèce de dièse? Non, il se passe rien. Il se passe rien. C'est pas ça, Erika. C'est pas ça. Je pense que l'ordre des assiettes a son importance. Attends voir, je vais prendre les symboles, tu sais, Erika, par rapport à la bouffe. Il y a peut-être plusieurs combinaisons en une. Ouais, on va bien, nous, Devil Olive. C'est cool, merci. Attends, 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 c'est pas idiot. C'est bon d'exploiter toutes les théories, Erika, c'est cool. Attends, mauve. L'assiette là, j'avais. Le pire que j'ai. Ah oui, c'est des lasagnes. Ce serait des lasagnes. L'assiette verte, ce serait du cheddar. La bleue, ce serait du fromage suisse. FR suisse. Bah, je traduis comme ça, le Suisse au milieu. Et en fait, l'assiette rouge, c'était des macaronis. Macaronis. Ah. Non, attends, ça tiendra pas mon truc. Mince, attends, je vais mettre le truc comme ça aussi. Je ne peux pas déjouer les lois de la physique, comme on dit. On va regarder l'indice. 1, 2, 3. Il a écrit fromage sur la boîte qui est dans le réfrigérateur. Ouais, cheese. Il devait y avoir une autre chose en relation avec du fromage. Oui, bah la râpe. Oui, mais je peux pas utiliser. Bah oui, mais. Je vais pas faire coulisser la râpe à fromage dans le truc. Je pense pas que ce soit là-dedans, non? Oui, d'accord, mais. Oui, ça n'a pas de sens. Et l'autre indice? Quelque chose doit avoir les 5 symboles de la boîte du réfrigérateur et cela doit être en rapport avec le fromage. La râpe à fromage, mais non.
Et là, le mec, il essaye de lire et de retrouver les symboles dans les marques de crasse sur le métal. Le gars, il devient fou. Non, mais je l'ai scruté dans tous les sens. Il n'y a rien à lire sur la râpe à fromage. Et le troisième indice, le tableau avec les ingrédients doit avoir les symboles dont j'ai besoin. Quoi? Pardon? J'arrive pas à faire le lien avec tout ça. Cheese. Ah, il faut que je mette tous les symboles du fromage dans l'ordre. Ah bon? Oh bah. Attendez. Il faut que je fasse tous les fromages. Allons en faire tout un fromage. Non, il est sérieux le jeu? Le truc suisse. Et ça va me pondre un plateau à fromage? Ça m'étonnerait. Symbole du cheddar, il est où? Merde, pardon, je disais les pâtes. Le gouda, oui, c'est là le gouda. C'est un carré le gouda. Non, c'est pas ça. Ah! Salopard. Ça y est, je peux faire quelque chose? Du parmesan. Ouais, le fromage que j'aime le moins. Pour moi, excusez-moi, hein, je comprends qu'il y ait des amateurs de parmesan. C'est un fromage subtil, c'est vrai. Mais comme les goûts sont subjectifs, pour moi, le parmesan, c'est du vomi à râper. Ça me fait... Bleu. Je supporte pas le parmesan. Enfin bon, tous les goûts sont la nature. Allez, zou, il y avait une clé dans le fromage. Eh ben, dis donc, ça donne envie de manger du fromage. Ah là 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 là. Je vous jure, je vous jure. Allez, on va aller à la porte qui a un cadenas à la CON. Allez, venez, Miller. Bah alors. Ah. Oh. Ah, eh, déduction logique, la casserole rouge, elle est là. La casserole rouge qui doit être plus petite que les autres. Je retournerai dans la pièce après, mais... Énorme. Ah, j'ai déverrouillé ça. Allez, on retourne dans la pièce. Joie. Ouais, avec l'arabe, bah ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, merdoum! Ah, il y a encore une aération. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres dans cette baraque. Ah, le fameux marteau. Si j'avais un marteau, tigidigidigidi. Il faut l'appeler le monde. Eh ouais, des pommes. Il n'y avait rien là. Alors, il y a plus d'épices ici que dans les entrepôts de la Compagnie des Indes. Ah! J'en ai chipé une. C'est la plus grande boîte d'épices que j'ai jamais vue. Il ne doit pas y avoir que du cumin. Non, t'es sérieux?
une boîte d'épices très lourde. Oh merde. Voir autant de symboles, ça veut dire énigme. Celle-ci est pleine de pâtes. D'accord. Oh! Le symbole de la boîte indique peine, mais il y a quelque chose qui ressemble à du savon, je le prends. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là 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 là! Beaucoup de fromage, quelqu'un aime le fromage, ouais, m'en parle pas. M'en parle pas. Waouh! Non, bah j'ai fait le tour du truc, je crois. Attendez, on va briser le truc mûche au marteau, au moins on sait qu'il faut faire ça. Voilà. Alors. Ah, il manque 4 morceaux. Alors attendez. Les boîtes d'épices très lourdes. Est-ce que ça va pas là? Ok, et après? Wow, la cuisine de fou! Mais qu'est-ce que j'ai déclenché en mettant le dispositif là-dedans? J'ai pas fait sauter un carrelage? Oui, pas enquête, c'est un jeu d'énigmes, c'est pas pareil. C'est face, comment dire, c'est un jeu dans la lignée de The Room ou de Da Vinci machin là. Non, The House of Vinci. Ouais, la maison de Leonardo de Vinci. Oh non mais excellent. Et là on est au deuxième niveau sur les 4 je crois. Je crois qu'il y a 4 grandes pièces. On a fait la cave tout à l'heure pendant que tu jouais à Far Cry 4. Et là on vient d'arriver dans la cuisine. Alors si tu veux te frotter un peu de ton côté, il y a une démo. La démo te donne accès à la cave. Déjà scoltiner la cave, c'est pas évident. Mais grâce à l'association des personnes présentes ici, on a pu avancer à un bon rythme. Et là je continue la cuisine. C'est waouh. Attendez, un petit galet brillant dans une boîte qui aurait dû contenir des pâtes, ça sent le savon. Ça sent le sapin, oui. Le savon, c'est pour la vaisselle. Et là, une explosion. Bam. Attendez. On est d'accord que là où j'ai pété avec le marteau, je peux pas mettre le truc. Non, ça n'a pas de logique. Le savon. Parce qu'il y a un sens à ça, je pense. Là, ça voudrait dire qu'il y a des macaronis, et là, des macaronis. C'était quoi le cercle rond? Ah, des spaghettis. Spaghettis, là, c'est macaronis. Là, j'aurais des lasagnes. Attendez, 5, 6, ça me ferait 5. Le four, on n'a toujours pas trouvé. La boîte à fromage, c'est bon. Il fallait se recoltiner toute la liste des fromages, c'est un peu, bon, c'est assez logique. Il y a une énigme à 3 trucs qui nous résistent, qui est le four. Je crois qu'il n'y a plus que ça.
Alors là, par contre, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai déclenché? Là, j'ai pas capté. Merde. Ah! Je vais essayer autre chose de ma vie, mais. Je comprends pas. Ça se tourne, c'est quoi? J'ai déverrouillé un truc? La marmite, je peux pas la soulever. Alors attends, la marmite dit que ce sont des penne. Des penne. Des penne. Est-ce que je retrouve le symbole dans les trucs à pattes? Les penne. Oh la vache, j'ai du mal à voir. Les penne. Alors, je suis allé tellement vite par rapport au. Est-ce qu'il faut que je mette ça dans la marmite qui vient d'une boîte de pâtes? Oh! Je n'avais jamais pensé que nettoyer une marmite me rendrait fou de joie. Ouais, si on veut. Quoi? Ah, c'est la réponse à l'énigme. Du paprika. Piper. Et du fromage suisse. Ouais, bref. C'est la combinaison pour le four. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Il y a une logique. Il est haletant. Le rythme est tellement bon que je décroche pas. En fait, je suis à fond dedans. Vous allez voir qu'on va faire que ça, les billes, aujourd'hui. Mais c'est super sympa. Tant que je suis captivé et accroché par le jeu et que je suis pas en situation d'échec total, je vous cache pas qu'on continue. Alors attendez, le four. On va se le fumer en 2 week-ends, je le sens. Mais le jeu est vraiment sympa. Le pire, c'est que j'ai choisi joyeusement sur un coup de tête le jeu. C'était pas du tout prévu. Oh! J'étais déjà sur le bon symbole. Oh là là, la totale. Alors attendez. Alors, il manque plus que 3 pièces maintenant. Et là, j'ai le bouton. Soit j'ai le bouton de là. Ouais, c'est ça. Donc je vais pouvoir faire fonctionner l'ascenseur de marchandises d'étage. Ou pas. Bah merde. Ah, oh, j'ai pas mis dans le bon ordre. Bon, j'ai interverti. Bah merde. Bah. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais il m'en manque un que je suis con. J'avais pas vu qu'il m'en manquait un. Ah, puis attendez, il faut respecter les câbles. Attendez, attendez, attendez. C'est un démêlement visuel. Il est en train de me guaquer, lui. Attendez, celui du haut. Mais non, mais j'ai les trois en plus. Mais oui, mais j'ai les trois. Alors attendez. Le rond. Le rond. Le rond. Le rond. Ah, le rond est en bas. Enfin, le rond. Le double rond. Le double rond, il est en bas. Voilà. Alors, lui, le viseur de flingue. Re-coucou, Aerostar. J'étais chez Devil en Lurk et j'ai été téléporté ici. Comment ça va depuis tout à l'heure? Alors, on n'a pas encore la migraine, mais ce jeu d'énigmes est extra. Ça va bien, merci. Moi, j'ai eu un orage sur Nancy tout à l'heure à ma pause déjeuner entre midi et 14h. Un orage léger, hein. Pas de dégâts. Mais ça. Et puis, c'est parti. Avec une bonne saucée, une bonne rincée, et bien, quoi.
Ça va, tranquillou, merci Aéro. Alors attends, le symbole viseur de flingue. Viseur de. Mais merde, j'ai l'impression de faire le même truc. Ce jeu me rend fou. Ah. Il va où ce câble à la noix? C'est le truc du bas. C'est le truc du bas. Ah! Le truc du bas va en haut. Oui, celui-là. Celui-là, il va en haut, c'est sûr. L'intermédiaire, il tourne. Il va là. L'intermédiaire. L'intermédiaire, il va là. L'intermédiaire, ouais, il va en bas. Donc par élimination, donc il va là. Yeah! Le panneau de nourriture est dans le réfrigérateur, il suffit de le mettre ici et de l'envoyer au salon. Oui, bah je l'ai pris tout à l'heure, il est là. Ah, le plateau de nourriture est dans le réfrigérateur. Il suffit de le mettre ici et de l'envoyer au salon. Le plateau de. Mais non, il y est plus. Il y a la boîte à fromage et les bouteilles. Il me ment. Ce monsieur me ment. Attendez. Ne me dis pas que le. Ah, le plateau, c'est la grosse pièce métallique. Oh. C'est l'espèce de truc uniforme. Oh bah. C'est malin. Oui, ça passe ce jeu. Je regarde en log depuis peu et ça a l'air trop top. Ouais. Il est pas trop dur en fait. Il est assez instinctif. Et puis quand t'es paumé, t'as droit à un indice. Enfin, à trois indices sur le côté pour te mettre le pif là où il faut. Y a rien? Ah, pièce de puzzle. Eh, pas mal, à la base, la baraque, elle est en briques rouges. Ça me plaît bien. J'aime bien les briques rouges. C'est une de mes textures favorites en plus dans le jeu vidéo. Ah, plus que deux pièces. Donc ça, c'est fait. Ah oui, je peux plus cliquer, tiens. Ah, j'ai plus le droit de cliquer, j'ai résolu. Alors attendez, la porte, elle est mouse costaud, la porte. J'ai besoin du bouton manquant pour résoudre les casse-têtes. Mais il est où le bouton? Ah. Ah oui, je peux pas descendre. Bah merde, il est où le bouton manquant? Tu vois, Aeroster, dans l'angle. Enfin, ouais, il y a peut-être mon habillage qui recouvre. Mais on a un point d'interrogation où ils peuvent donner des aides. Attendez, on va chercher un peu quand même. Il n'y a pas un truc que j'ai merdé ici. Il est déjà 18h. À mon avis, après ça, on fera que des bibis. Je pensais pas passer l'après-midi dessus, mais il est tellement bien. Oh non, je déteste les araignées. Ah oui, j'ai cliqué à l'angle. Elle est bonne. Ouais, c'est marrant ça. Oui, ça va venir, Tunsen. Ça va venir, Canaillou. Interrupteur, non. Attendez, attendez, attendez. Il y a les pommes, il y a les pommes, il y a les pommes. Il y a les pommes, il y a les pommes, il y a les pommes. Je crois que ça c'est résolu en fait, le coup des recettes des pâtes. Enfin, du moins, je pense. Il n'y a rien qui a échappé à ma curiosité? Parce que là, c'est vrai qu'au niveau inventaire, j'ai quasiment plus rien sur moi, donc. Ça voudrait dire que j'aurais fini le. Pourquoi il me manque le bouton? Oh la vache, il me manque plus que deux pièces. Pourquoi j'ai pas le bouton de ça? Pourquoi il me manque ce fichu bouton?
Où est-ce qu'il est? On est d'accord, j'ai rien oublié là. Attends, ça je sais plus si j'ai déclenché un truc avec ou pas. Je sais plus du tout. J'ai imbriqué les deux pièces, ça fait un schlang, mais un schlang qui a déclenché quoi? Je sais déjà plus. Le fait d'avoir mis les casseroles dans le bon ordre, ça m'a ouvert le petit clapet là. Ensuite, la combinaison, j'ai ouvert le four. Voilà. La combinaison qui était en fait dans la marmite. Ouais, non, j'ai déjà fait ça. Sûr que je peux rien interagir? Ah, j'ai pas l'air idiot. J'ai pas l'air idiot. Une pièce, il me manque. Croyez-moi que je vais retourner la cuisine. Ah, la cochonnerie de dernière pièce qui me manque, elle est où? C'est à croire que c'est le tableau qui va me donner le bouton pour résoudre l'énigme de la porte. Et si je franchis la porte, on arrêtera là, on fera la suite un autre week-end. Parce que là, je suis parti pour fumer le jeu en un temps record. Où est la pièce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai pas retourné dans la cuisine? Non, non, non. Elle va pas me résister longtemps, cette cuisine, je vous le dis, moi. Tu vois, ça va faire comme le coup de la cave, Christella. Je vais rester coincé la toute dernière épreuve. Et du coup, c'est toi qui vas me débloquer la situation. Non, non, non. Il n'y a plus de pièces de tableau, là. Là, il y a la dite cafetière. Il y a le napperon, tissu, il y a le seau, il y a les gamelles. On est d'accord que dans le frigo, j'ai rien oublié. De toute façon, il y avait une pièce de puzzle sous les bouteilles. Là, il y en avait une sous la table. Non, ça, c'est une ombre portée. Ça peut pas être ça. Attends. Il n'y a rien dans la corbeille. Juste un peu de pain et quelques tasses. Où est le dernier carrelage du tableau qui me manque? Le dernier panneau du tableau. Merdoum. Oh, est-ce qu'il serait pas dans la... À moins que... J'ai encore besoin d'une pièce et de l'image et je pourrais le faire. Ah pardon, vous m'avez écrit dans le chat. Il faut pas bouger les pièces du puzzle. Bah une fois que j'aurai le dernier, si. Une fois que j'aurai la dernière pièce qui me manque, si j'aurai le droit, là, il vient de me le dire à l'instant. Est-ce que là j'aurais pas... J'ai mal regardé le sol ici. Oh merde, c'est quoi ça? Un message secret. Ah bah merde alors. Oh, bande de vicieux. Attends. Je peux pas le retourner. Ah! Lecture. Et je vais me faire de la flotte après. J'ai trouvé par hasard cette mystérieuse organisation à cause des intentions malveillantes d'un de mes anciens partenaires d'affaires. Je devais le rencontrer dans un certain endroit et une fois entré, je me suis trouvé enfermé dans une pièce avec aucun moyen de la quitter. J'ai passé beaucoup de temps pour trouver comment sortir et j'ai failli mourir. C'était un moment vraiment périlleux. Il s'est révélé que mon partenaire m'avait envoyé dans une Guardian Room, très difficile, utilisée pour tester les membres de haut rang de l'organisation. Que quelqu'un sans aucune expérience puisse surmonter ces épreuves était inouï. La Guardian Society me contacta peu après et me récompensa avec une entrée directe dans le rang des membres. Ils ont aussi traité avec mon partenaire et m'ont transféré la propriété de ses avoirs,
me rendant encore plus riche. Ma nouvelle fortune vint avec une étrange opportunité. Je pouvais participer à d'autres Golden Rooms à travers le monde et même grimper les échelons de cette société. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à voyager dans le monde et à résoudre les différentes épreuves que la société proposait. C'était pourquoi nous n'avons jamais eu l'occasion de nous connaître, ce qui est vraiment dommage. Cependant, ceci changera peut-être dans le futur. Ce que je viens d'écrire est seulement connu par les membres du rang le plus élevé. Au moment d'écrire cette lettre, je suis un soi-disant mentor, une personne qui supervise et guide les nouveaux membres de la Gordian Society. C'est moi qui ai organisé le test d'initiation que vous êtes en train de passer. J'espère que vous serez capable de surmonter toutes les épreuves, car, croyez-moi, ce n'est que le début. Alors, c'est le premier opus d'une saga plus ou moins longue, puisque le numéro 2 est en cours de conception et devrait bientôt sortir. Si là, le premier épisode s'appelle Un curieux héritage, le second épisode s'appelle Une île curieuse. Voilà. Et je pense qu'il devrait sortir dans les prochains mois. Et je vais aller me faire du glouglou. Je vais vous mettre la vue gros plan de la cuisine. Je sais pas si ça va vous apporter de la réflexion. Voilà. Attendez, je fais un glouglou, j'arrive. Faut que j'en refasse le plein. Au. Ouah, attention, je suis tombé mes périphériques de jeu. Ouh là là, rien ne va plus. Rien ne va plus, faites vos jeux. Voilà, me revoilà, je carbure au sirop de cerise. Alors, je n'ai pas d'idée. Mais je pense que l'objet m'a échappé de peu. Le petit bouton là et Ah, je pense qu'on va se diriger. Voilà, moi je viens de là, hein. La cave, on est arrivé par là. Je pense qu'on va s'orienter vers les bibis, hein, vu l'heure. Mais j'ai toujours pas noté vos records du monde. Hein. Ah merde, j'ai eu peur, j'ai vu qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a beaucoup d'épices, tu m'étonnes. Je clique partout, je deviens fou. Où est ma pièce de puzzle manquante? Où est mon bouton manquant? Franchement. Ah, j'avais pas vu que je pouvais tourner un peu. Je peux tourner un peu l'angle du truc aussi sur le côté opposé. J'avais pas fait gaffe la première fois. Ça n'apporte rien, mais bon. Oh merde. Il manque une pièce de puzzle et un bouton. Oh, misère, misère, misère. La pièce de puzzle. Bah oui, tu m'étonnes, je reviens là, moi.
Les meubles du dessus, ils ont été fouillés, bien comme il faut. Y a pas une pièce de puzzle qui m'a échappé. Non, ça c'est rien. Non, c'est pas un puzzle, ça. Non, non, il y a le vaisselle, machin. Il y a des trucs qui sont fourbes, mais... J'ai une pièce de puzzle dans le frigo, c'était sous les bouteilles. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, j'ai une info, mais... Bah, je vais retourner au puzzle, mais c'est vrai que je te rejoins, tête salibre. Bonjour, je sais plus si je t'ai salué, excuse-moi. C'est vrai que t'es dans la même couleur que certains. Maintenant, il me dit bien que j'ai encore besoin d'une pièce de l'image et je pourrais le faire. Parce que... Oui, tu penses la logique de déplacer le truc. Ouais. Je crois qu'il y avait une logique comme ça, par exemple, dans Resident Evil 4. Avec les pièces d'armure avec Ashley, ouais. Pour ceux qui connaissent. Attends. J'ai vu du bleu d'interaction. Je me suis laissé surprendre à avoir du bleu au niveau de mon curseur. Là, oui, mais... C'était pas plus bas. Au moment où je vous parlais... Non. À chaque fois, j'ai l'impression que je peux interagir avec le colis au premier plan, mais non. En fait, on fonce vers les radiateurs. Non, mais là, je peux rien faire, de toute façon. Ah! Oh, je sens qu'on va basculer vers les bibilles. Je suis en train de tourner en rond, là. Je pense que j'aurai les idées bien plus fraîches à la prochaine fois. J'ai fait trois trucs du bas. Enfin, du haut, il y a des trucs du bas. Sinon, il y a encore là, mais... Mais les tiroirs, je les ai déjà... Bouton machin. Ou alors, il y a une énigme. Non, c'est des débris de verre, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, il y a une énigme au niveau des pattes. Mais j'ai déjà eu la solution tout à l'heure quand j'ai manipulé le machin. Attendez, je clique bien sur chaque boîte. Non. Ah, j'essaye d'ouvrir grand mes yeux, j'ai pas... Ça, c'est rien. C'est toujours la dernière pièce à trouver qui nous bloque. Ouais. Ouais. Non, mais je... Là, je tends plus en plus vers l'idée de voir ça une prochaine fois. Alors, franchement, on a bien joué, on a sacrément avancé. Je pensais même pas finir la cave aujourd'hui, à vrai dire. Quand j'ai lancé le jeu... Quand je m'étais frotté à la démo au niveau de la cave, j'étais pas allé aussi loin. Alors, je me suis laissé surprendre à avancer à un bon rythme. Comme quoi, il y a des jours avec et des jours sans. Waouh. Mais là, j'avais déjà récupéré des trucs. Faut que j'arrête de cliquer comme un maboule. Ah, attends. Ah, merde. Ah, elle est bien bonne. De l'intérêt de refermer les portes. Tu sais, FunFan, je suis en train de repenser à pas Maniac Mansion, mais l'autre, avec les Day of the Tentacle. Tu peux pas récupérer une clé ou un objet tant que t'as pas refermé la porte dans laquelle t'es rentré, parce que c'est en fermant la porte que tu trouves un truc au dos de la porte que t'as ouverte. Pareil, là. Exactement pareil, mais en 3D. Ah, la vache. Ah, bah c'est les symboles des casseroles. Attendez, dans mes trucs notés, il faut que je reprenne, mais voilà. Les casseroles, c'était ça. Donc là, ce serait rouge, le bleu, le violet et le vert. Ouais, le mauve, d'accord. Alors, attendez. Le mauve, c'était l'espèce de dièse. Le vert, c'était l'espèce d'assiette ronde. Voilà, avec ça. Le bleu, c'était le... Je sais pas comment, le truc rectangulaire bizarre, là. C'était ça. Et le rouge, c'était l'espèce de portique de slalom, là.
Voilà, c'était ça. Et visiblement, il ne se passe absolument rien. Ah si! Allons-y. Oh merde. Non, ils sont dans le bon ordre, mais il faut que je... Enfin, ils sont... Il faut faire la rotation, en fait. Il y a un épi de blé. Il y a un épi de blé, mais il doit être à l'extrait. Attends, le truc est en train de me rendre fou là. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Oh, tu ne sais, l'autre tout de suite, c'est facile ça. Oh, l'autre t'es. Ah. La chance est la forme laïque du miracle. Ah bah ça tombe bien. La citation du jour. Oh, sacré Tunsen là. Oh, et j'aurais pas dit, mais le tableau est joli. Oh. Faut mettre la courge dans le bon sens. Oh. Oh, le bouton manquant et le je sais pas quoi. Alors là, je pardon, mais ça, on dirait une déco de salle de bain. Dans une cuisine. Un petit triangle fait avec du matériau de haute qualité. Ouais. Le bouton avec la flèche en or. Ce qui fait que je me dirige vers la porte. Je rajoute le petit bouton qui me manquait. Et c'est parti. Attends, il faut que je décongestionne le... Ah, il y a un truc que j'ai pas pigé. Ah, il faut que j'aille là où il y a les petits crantons métalliques au milieu. Ça déclenche un truc. Faut que je mémorise là où je suis pas allé. Un futur tableau mystère. Ah ouais, mais on parle pas. J'adore aussi le jeu de taquin. Ah. Oh. Et? Mais non. Attendez. Si je remets ça. Il faut que j'aille sur un truc de contact. Attendez. Si je mets ce que vous avez. Là, je me barre, je referme ça. Je monte là. Oh là, je sens que mon cerveau va partir en béchamel. Si je fais ça. Hein? Ça n'a pas d'intérêt. Attends. Je peux accéder au machin là-bas. Si je descends là, qui est... Ah, je peux avoir celui-là au bout aussi. D'accord, il se passe rien. Tant que je suis pas sur un truc métallique, il se passe rien.
Oui, mais ça m'aide en rien. Ça m'aide. Ah non, je suis couillonné là, je peux pas faire ça. Oui, bref, si je vais là, attends. Ça, je bougeais les jaunes. Là, je bouge les rouges. Il est vrai que maintenant, je peux aller là. Chose que je n'avais pas atteinte jusqu'alors. Je bouge les verts. Ok. Ah, intéressant. Je rebouche les rouges. Celui-là, il est nouveau. Ah, les bleus. Les bleus. Ben voilà, j'ai gagné. La porte va s'ouvrir, j'ai accès à l'opposé. On est d'accord? La cuisine est Schmitt. Allez, je lis le salon. Mais le salon, je le garderai pour... Non, je vais être vilain. Je vous lis le salon. Mais je fais Alt F4 comme un gros vilain. Et on verra la suite un autre week-end. Mais énorme, on aura fait deux pièces. Le salon. Comme dans la cave, c'était le dernier casse-tête qui était le plus difficile. Voilà, Christella, tu avais vu juste. Bien sûr, retrouver toutes les pièces de l'image m'a pris aussi beaucoup de temps. En particulier celle de la planche à découper. Vraiment diabolique. Juste une ligne de plus dans la longue liste de réclamations que je ferai à mon oncle si je le rencontrais de nouveau. Après être sorti de la cuisine, je me retrouvais dans un couloir qui débouchait dans une salle plus grande. J'ai essayé de rentrer dans les autres pièces, mais chacune d'entre elles était verrouillée. Je me suis retrouvé dans le hall d'entrée, devant la porte, qui était aussi verrouillée, bien évidemment. Comme j'étais à court d'idées, j'ai décidé de monter à l'étage, où j'ai finalement réussi à ouvrir une porte. Je suis arrivé dans un somptueux salon, non seulement extrêmement vaste, mais aussi décoré de façon sublime, avec des revêtements en or et des matériaux exquis en rouge et beige. C'était une réelle découverte, non seulement parce que je pourrais à peine m'acheter la moitié du piano avec tout ce que je possède, mais aussi parce que je pourrais potentiellement devenir le propriétaire de toutes ces choses luxueuses. Continuant mes réflexions, il m'a paru que si je choisissais de vendre tout ce mobilier, je ne serais plus obligé de travailler pendant un certain temps. De plus, c'était seulement une des demeures de mon grand et puissant oncle. Combien de biens de haute valeur je trouverais dans les autres? C'est à ce moment que la porte se referma derrière moi, me ramenant à la réalité. Tout d'abord, je devais mettre la main sur le testament, puis j'aurais amplement le temps de décider quoi faire après. Tout excité, j'ai commencé à regarder tout autour, une fois de plus. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Voilà, vous voyez Guardian Rooms, A Curious Heritage. Là, sans déconner, on a fumé la moitié du jeu, je crois. Ah, attends, si les succès correspondent aux pièces, on a fait 2 pièces sur 6. Ah, il n'y a peut-être pas 4 pièces, mais il y en a peut-être 6. C'est cool. Moi, je dis c'est cool, ça fait du plaisir. Bon, allez, on va faire les bibilles. On va faire les bibilles. Toi aussi, t'aimes jouer aux bibilles. Laissez-moi réfléchir, il faut que je tape marble un petit peu partout. On va faire les bibis. Elles sont où? Elles sont là les bibis.